La présence de Dieu est ici parmi nous. Louez le Seigneur. La présence de Dieu est ici parmi nous. Louons l'Éternel. Oh mon frère, louons l'Éternel. Oui, ma sœur, Saint-Esprit de Dieu est ici parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu est ici parmi nous. Nous en l'éternel. Oui, mon frère, louons. Psaume 40, nous lisons la parole du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue,
Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparé à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Car nul n'est comme toi, ô Seigneur, je veux te louer et t'exalter, je veux te louer et t'adorer, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié. Le Seigneur est parfait dans ce qu'il fait, sur ma route il vient pour m'éclairer pas à pas avec lui. Je suis heureux, je le loue pour sa bonté. Approchons de ton trône de grâce, notre Père et notre Dieu, avec beaucoup de reconnaissance encore en cette matinée, Père. Nous réalisons combien tu es tellement grand, nous réalisons combien ton nom est tellement si grand. Il est créé, il est respecté, il est honoré, Père Saint, dans tout le pays sur cette terre, mon bénévole Père, parce que tu es réellement celui qui donne le souffle de vie aux hommes. Que ton nom et ta grandeur soient vraiment célébrés, Seigneur. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tu demeures le seul. C'est lui qui fait lever le soleil. Et c'est lui qui aussi fait coucher le soleil. Qui dit aux ténèbres, ah, de s'éloigner, Père. Et que la lumière puisse apparaître, mon roi. Tu es le Dieu de toute puissance, mon roi. L'honneur te revient, la gloire et la crainte te reviennent, Seigneur. Nous l'avons chanté, Maître béni, qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. À qui pour nous te comparer, mon sauveur? Tu es l'auteur de tout ce qui existe. Tout a été créé par toi. Tout existe par toi. Rien ne pouvait exister sans toi, mon Père. L'existence même vient de toi, mon Maître béni, Père. Tu es l'auteur de toutes choses, mon bien-aimé Père Dieu. Ce qui nous entoure, mon bien-aimé Père Dieu, dans l'espace, sur la terre, sous la terre, oh, dans la mer, mon bien-aimé Père Tissant, tu es le Dieu qui crée, mon roi. Oh, tu as déployé les cieux par ton intelligence, mon roi. Louange et honneur à toi, Maître béni, l'honneur te revient, mon roi. Oh, Seigneur, tu es vraiment l'unique Seigneur.
Nous nous approchons de toi parce que tu es vraiment le roi des rois. Amen. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous. Amen. D'être venu dans la forme d'un homme. Oh Dieu, pour être semblable aux hommes rois. Et de prendre le péché de l'homme roi. Tu es vraiment le Dieu vivant, mon sauveur. Qui pouvait pardonner un homme comme moi? Qui pouvait pardonner ma soeur? Qui pouvait pardonner mon frère aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Tibissant? L'humanité était sans espoir, mon bien-aimé, Père Tibissant. Aucun homme n'avait dû suivre, Seigneur. Oh, nous te remercions, Père. C'est pourquoi tu es devenu homme roi, pour racheter ce qui était perdu. Merci réellement pour ce que toi tu as fait, Seigneur. En retour, tu dois donner ton esprit à toi, mon bien-aimé Père Dieu, pour que nous soyons saints, mon bien-aimé Père, afin de pouvoir te servir comme toi tu le voulais, mon Père Saint. Que tu sois béni, le grand conquérant, mon sauveur. Amen. Merci encore pour cette matinée, Père, et la grâce et les privilèges. Oh Seigneur, parfois nous ne réalisons pas l'importance de cette grâce d'être dans ta maison à toi pour louer ce Dieu très haut qui a fait des choses et qui fait encore des choses, mon Père. Merci pour la délivrance de mon frère, pour la délivrance de ma soeur, nos délivrances, mon bien-aimé Père, tu dis son Dieu, parce que tu es le Dieu des délivrances, mon roi. Oh, tu dis et la chose arrive. Et quand tu ordonnes, elle existe aussi, mon sauveur. Nous te sommes soumis, mon roi, parce que nous sommes tes esclaves, soumis à toi pour te servir, Père. Pardonne à mon frère, pardonne aussi à ma soeur, pardonne aussi à nos enfants, aussi nos petits-enfants, Père Saint-Dieu, à ton peuple, encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes à toi et à la soif de pouvoir également aussi marcher avec toi, d'être conduit, éclairé par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Donne-nous, Père Tibissant, oh Dieu, de paroles justes pour pouvoir te louer, Père. Oh Dieu, les voix pour pouvoir chanter ta gloire à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Un cœur pour t'aimer encore davantage, comme toi, tu voudrais être aimé, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques qui ont été chantés. Merci aussi pour les prières qui sont montées devant ton trône de grâce. Merci aussi pour le respect que tu mets dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant, la crainte de ton nom encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu es le Dieu qui fait ton travail à toi, Père Saint. Merci pour cette grâce, Père. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont connectés encore aujourd'hui dans différents pays. Beaucoup ont souffert aussi des décalages horaires, mon bien-aimé Père Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, souviens-toi des sacrifices qu'il consent aussi pour être en connexion à cet endroit. Nous te remercions pour ce que tu es pour nous, Père Dieu, ce que tu es aussi pour eux et pour l'amour que tu as témoigné encore ce matin, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un privilège aussi, une grâce que le Seigneur du ciel nous accorde, nous aussi en tant qu'homme, de pouvoir invoquer son saint nom, mais d'un cœur pur aussi, de tout notre cœur, et le remerciant aussi pour sa bonté à notre endroit, ses compassions aussi, et sa miséricorde à l'égard des hommes tels que nous sommes. Amen. C'est un jour de grâce aussi que Dieu nous accorde, comme il nous l'a fait part aussi dans sa parole, que au temps de la grâce, je vous exaucerai, et au jour du salut, je vous secourrai. Et voici maintenant le temps favorable. C'est ce temps dans lequel nous nous trouvons, qui est vraiment le temps de la grâce, où la Bible aussi ne fait pas que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire que nous avons aussi une part à pouvoir faire, c'est de pouvoir désirer réellement le rencontrer, le chercher pour qu'il puisse aussi se manifester aussi à notre endroit, parce que c'est son désir aussi que nous puissions le chercher afin de le trouver, parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai aussi trouver par vous. C'est un désir que nous sommes censés pouvoir avoir dans notre cœur, de pouvoir réellement aussi le trouver, et comme Philippe l'a dit, nous avons trouvé celui dont les saints, les prophètes ont parlé effectivement dans les saintes écritures, c'est Jésus de Nazareth. Nous voulons aussi témoigner au monde que nous l'avons cherché, et il s'est laissé aussi voir, et nous l'avons aussi trouvé. Nous voulons désirer, nous voulons certainement trouver celui qui a voulu que nous puissions le trouver. Et c'est lui qui a la capacité de pouvoir transformer et changer aussi nos vies. Parce que ce que nous voulons, ce n'est plus être comme nous étions, mais c'est de pouvoir être réellement comme lui, il veut que nous soyons.
qu'il soit béni pour son amour à notre endroit, pour ses bienfaits, ses compassions et tout le bonheur qu'il aussi répand aussi sur chacun de nous aussi, lorsque nous pouvons avoir aussi des bonnes nouvelles dans lesquelles nous pouvons nous réjouir effectivement aussi pour ce qu'il a fait à mon frère, c'est à moi qu'il a fait. Ce qu'il a fait à ma sœur, c'est aussi à moi qu'il a fait. C'est pour ça, aujourd'hui, dans la maison de notre frère Jean Bosco, notre sœur Dorcas. Oui, c'est un bonheur. Que Dieu te bénisse, ma bénie. Vous pouvez avancer avec l'enfant. Hein? Oui, il est le Dieu de Samuel. C'est vrai. Nous pouvons douter. Le doute ne fait simplement que t'écarter de la voie. Mais la foi te fait avancer davantage. Nous remercions notre Père Céleste pour cela. Dans le livre de Colossiens, nous, alors que nous sommes debout, nous prenons Colossiens. Chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Colossiens, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 9. Colossiens 1, verset 9, nous disons, « C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez donc à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez donc grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péchés. Amen. Nous voulons te remercier encore pour ce moment que nous avons de pouvoir être dans ta maison et surtout de lire aussi ta parole, Père, et puisse-tu vraiment descendre et nous parler, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous éclairer, parce que c'est un moment où nous avons vraiment besoin de toi, et plus encore, Père, de pouvoir t'entendre, mon roi. Dispose notre esprit, dispose notre subconscient, dispose notre mémoire, dispose notre cœur. Seigneur, nous voulons vraiment être là à ton écoute, à toi, Père, oh Dieu. Oh Dieu, tu es le Dieu qui domine sur toutes choses, en fait qu'aucun esprit un peu ne puisse perturber tes enfants, toi, mon bien-aimé Père Saint. Oh, qu'ils soient vraiment dans la paix, aussi attentifs, en fait que tous ensemble nous puissions participer à ce que toi tu fais encore dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Je voudrais te dire merci, Père, oh Dieu, pour tes compassions à notre endroit. Sois donc béni et glorifié, car je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions du fin fond de notre cœur pour la victoire acquise à Golgotha qui aujourd'hui en fait ne fait que manifester ses effets dans la vie de tout croyant, tout véritable croyant effectivement. Et c'est à cela qu'ils pourront voir réellement aussi que c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui a dit qu'il a vaincu, effectivement, que maintenant nous pouvons voir qu'en réalité, cette victoire nous a été aussi accordée et nous en sommes donc bénéficiaires. Et sa victoire, effectivement, s'étend dans tous les domaines parce que s'il a vaincu la mort, c'est qu'il a vaincu aussi la maladie, il a vaincu aussi tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est notre Rédempteur, comme nous l'avons entendu, n'a pas su faire. Il a attendu jusqu'au bout, même lorsqu'il a été amené aussi à la croix, il a attendu qu'on fasse tout ce qu'on devait faire. Vous avez
savez, dans le livre de psaumes qui nous a été lu ce matin, il nous est clairement aussi exprimé et montré en réalité ce qu'il en était à son sujet lorsque il dit que dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. C'est-à-dire qu'il est écrit de moi. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est cela que nous pouvons constater, réaliser que le Saintes Écritures. D'abord, nous comprenons que quand nous parlons de Saintes Écritures, c'est-à-dire que nous parlons donc de la parole de Dieu en réalité. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dont il a clôturé effectivement, nous voyons qu'il s'agit effectivement écrit de lui, qu'il allait arriver à pouvoir faire telle chose effectivement. Et quand il est rentré effectivement dans l'espace monde, effectivement aussi, parce que comme dit que lorsque Dieu introduisait, donc c'est comme ça dans le monde effectivement, et alors il s'est passé quelque chose effectivement, il est venu pour pouvoir accomplir tout ce qui a été écrit de lui dans la Bible, c'est-à-dire que dans les Saintes Écritures, pas dans un autre livre en fait. Non, pas dans notre livre, mais tout ce qui était écrit de lui dans le Saint. Parce que si vous voyez très bien que depuis la Genèse, ça n'a pas été l'homme qui a fait quelque chose, en fait. C'est Dieu lui-même, l'auteur de la création, qui prend l'homme et qui les fait asseoir là pour lui dire, voilà, je veux maintenant te révéler ce que l'homme ne sait pas, d'où vient le monde, comment les choses ont été mises en place. C'est pour ça qu'il a appelé donc Moïse, il dit, mais prends donc ta plume et commence à écrire. Alors il a commencé maintenant par la Genèse. Genèse, c'est-à-dire que le commencement. Alors Dieu lui dit donc, au commencement, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai créé les cieux et la terre. Et quand il parle ainsi aussi, il nous donne des preuves aussi, nous montrant qu'effectivement que le ciel existe. Tu lèves les yeux au ciel, tu vois que le ciel existe. Tu tournes les yeux sur la terre, tu vois que la terre existe. Oh, que son nom soit béni. Et quand il dit qu'il a déployé aussi le firmament, tu lèves les yeux au ciel, tu vois le firmament. Quand il dit qu'il a placé aussi la lune, tu lèves les yeux au ciel, tu vois aussi la lune. Donc il parle et il t'éprouve. Afin que ta foi soit fondée sur ce qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas parler en l'air, mon frère, lorsqu'il dit, c'est ce qu'il dit. Alors nous comprenons qu'effectivement, que là, Moïse a mis par qui. Et puis, quand Moïse a mis par qui, et aussi, il a aussi introduit aussi Moïse dedans. Quand il a parlé maintenant que voici, je t'envoie. C'est que c'est Moïse a écrit ce que Dieu lui a dit. Donc il est parti. Donc Moïse a fait l'histoire aussi dans laquelle Dieu a voulu le placer. Comme ça qu'il a fait sortir effectivement le peuple d'Israël, ainsi démontrant qu'en réalité, il est vraiment le Dieu toujours de la parole, et il veille toujours sur sa parole, il se souvient toujours aussi, et toujours de ceux-là qui l'ont aimé. C'est pour ça, en faisant tous nos efforts, mon frère et ma sœur, évidemment, de ce que nous puissions. Quand le Seigneur répondit au scribe, je crois qu'il lui avait posé la question, il y a beaucoup de commandements, effectivement, que nous avons, petit commandement, effectivement, aussi, et tout ça. Il dit, mais quel est le plus grand et le premier de tous, effectivement? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui répondit. Il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il a dit, effectivement, ce que Moïse avait dit dans Deutéronome. Écoute, ô Israël, c'est écrit comme ça. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, de tout ton être, effectivement. C'est là ce que doit, effectivement, chaque véritable croyant, de pouvoir aimer le Seigneur de tout son cœur. Et tous ceux qui aiment Dieu, qui ont aimé aussi le Seigneur, c'est la vérité, 100% vrai, et ce n'est pas de l'histoire, mais c'est quelque chose de vrai, de palpable, ne pourront jamais être oublié par Dieu. Ça, c'est une chose, mon frère et ma soeur, que vous devez tous comprendre et savoir. C'est pour ça que, s'il arrive que tu puisses t'endormir, parce que le véritable chrétien ne meurt jamais, et le chrétien ne mourra jamais. Ce qui se passe, que nous nous endormons pour simplement passer de ces... pour aller chez nous. Parce que nous avons un chez nous. Si nous avons un chez nous, ce que nous devons avoir, quelque chose comme la nostalgie de pouvoir rentrer chez nous. Vous savez, la nostalgie, ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que tu as été quitté quelque part, tu t'es senti tellement bien, et puis à ce moment, tu t'es déplacé pour aller dans un autre endroit.
Et puis à ce moment-là, tu commences à sentir, je me souviens dans là où j'étais, comme moi, vous avez quitté les airs, c'était la Chine ou le Congo, je ne sais rien. Et puis à un certain moment, vous êtes venu ici, et puis quand le froid commençait à frapper, je me souviens de la chaleur de chez moi. C'est que quelque part, tu étais quelque part, un endroit où tu as dit, la nostalgie m'a dit, si je pouvais être chez moi, ça serait encore bien. Je serais au chaud. Je ne parle pas de baigner, mais au chaud. Pas de la chaleur, parce que c'est différent. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne pour qu'on comprenne ce que veut dire nostalgie. Donc, effectivement, on était quelque part, on était allé à un endroit, et puis, on commence à sentir les désirs de retourner chez nous. C'est ça, un chrétien. Et là, quand nous chantons, allons, allons chez nous, vous connaissez, non? C'est quand on dit, allons, alors, si tu n'as pas eu ce chez toi là, c'est difficile d'aller là-bas. Donc, si je dois avoir ce désir de retourner chez nous, c'est que quelque part, j'ai ressenti que ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Mais les trésors s'entassent quelque part. Ah oui, le problème, c'est que si tout ce que tu es est sur la terre, tu ne peux pas aller au ciel parce que tout est à toi ici. Donc il faut que tu aies quelque part où tu dis, en tout cas ici, je suis pas chez moi, je ne suis qu'un passant, un pèlerin, et je soupire effectivement de rentrer chez moi. C'est pour ça que nous disons, notre Père, il est où? Pas ici, qui est aux cieux. C'est chez moi là-bas, j'ai un papa là-bas, et puis je dis, mais que ta volonté à toi, qu'elle soit faite sur la terre. C'est moi qui soupire à ce que ce qui se passe chez nous là-bas, je puisse en attendant sur la terre aussi, parce que je suis citoyen connecté. Souvenez-vous, je marche ici, mais je suis connecté, connecté aussi à ce royaume, parce que mes oreilles sont tendues là. Ce que tu dis me parvient ici, pour que je puisse vivre comme un citoyen des cieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des mélanges, Tantôt on est charnel, tantôt on est spirituel. Non, dans ce monde-là, il n'y a pas de charnel. Il n'y a que des spirituels, en fait. C'est pour ça que le travail se fait, qu'il te montre que toi, tu n'es pas comme les autres. Vous savez, c'est pour ça que, comme on appelle en anglais, on dit le stubborn. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Les gens qui sont têtus, on a beau... C'est ça, je pense, non? Donc, Dieu a beau parler, il dit, non, cette voix-là, je ne la connais pas. Moi, je connais simplement... C'est comme Caïn. Le Seigneur a beau parler avec tout l'amour qu'il dit, mais cette voix-là ne me dit rien. Mais si c'est toi qui es un fils, et que la voix se fait sentir en toi, mais tu verras comment la réaction de ton intérieur va réagir davantage, parce que la profondeur appelle la profondeur, effectivement. C'est important, mon frère et ma soeur. Vous savez que les mois passent, les années passent, effectivement, ce qui se pointe à l'horizon, vous ne le voyez pas tellement très bien. Et c'est important aussi, comme c'est nécessaire que le peuple de Dieu ait la connaissance de la vérité, des choses effectivement que Dieu est en train de pouvoir faire, parce qu'il ne nous a pas dit qu'il nous laisserait dans les ténèbres. Non, il a toujours dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Juste cela, je fais un peu parenthèse, puis je reviens si Dieu le permet, en parlant de cela. Je reviens un peu pour que vous puissiez comprendre un peu les choses. Quand on parle de ces choses qui se passent comme le virus, on met trop parce que nous en avons parlé. Je voudrais clarifier encore une situation pour que les frères et sœurs dans différents endroits comprennent. Et chacun de vous fait ce qu'il a envie de pouvoir faire sur son droit. Lorsqu'on parle de ce qu'on appelle le virus, ici, je n'aime pas trop, mais je vais simplement faire une assertion. Quand on parle de ce qui se passe, on en met trop l'accent dessus, et ça fait qu'évidemment, comme nous avons entendu, que les gens ont peur, même pour pouvoir vous approcher de vous. Et ceci. En fait, qui vous a dit, d'abord, qui vous a dit, qui nous a informé qu'on ne peut pas s'approcher des autres pour la contamination? Ce sont les scientifiques. Alors, les scientifiques aussi nous donnent aussi des méthodes. Qui fait qu'effectivement, il ne faut pas s'approcher, il faut, si c'est 20 mètres de distance, ou c'est comme 5 mètres, c'est 5 mètres. Parce que là, j'ai entendu si c'est 10 mètres carrés, on ne sait plus combien de mètres. Donc maintenant, il faut peut-être se promener avec des maîtres cannes.
parce que pour ne pas avoir de problème, tu fais plus de passer. Ils ont dit 5, toi tu fais 10, pour être sûr et certain que tu es vraiment dans les cadeaux. C'est-à-dire quand tu te promènes. C'est comme j'ai vu un monsieur, et c'était dans le métro en Espagne. Eh ben, il a voulu montrer que bon, le gouvernement nous a dit de pouvoir vraiment, vraiment prendre des mesures et puis des distanciations sociales. Il est rentré dans le métro. Et il était rentré dans le métro avec son maître Khan. Vous connaissez le maître Khan? Là. Il se tient là parce que le gouvernement a dit distanciation sociale, un transport en commun. Il prend son maître là. Il est ici, il met jusque là. Il y a un monsieur qui est allé. Il faut que ça soit. Tu te mets là-bas au bout ici. Alors il arrive maintenant sous les sièges pour s'asseoir. Il prend d'abord son maître la canne. Il mesure d'abord les sensations du banc ici jusque là-bas. Et puis du banc ici jusque là-bas. Et puis de là jusque là. Et puis il prend le scotch. Il entoure là. Et puis il est assis. Et puis les gens rentrent effectivement et disent, monsieur, il est fou. Mais pourquoi il est entouré comme ça du scotch? Lui, il est assis. Puis il est bien barricadé, hein. Masque, un camp de tout ça, voilà, assis avec son maître canne. Si quelqu'un s'approche, il dit, mais c'est, oui, j'ai vu ça, moi. Et ça dit que les gens le prennent pour un fou. Non, il met en pratique ce que le gouvernement a dit. Regardez tout ça, dit, moi je reste ici, la partie du métro ici est pour moi, donc moi je reste là jusqu'à la fin de la station. Quand je descends de la station, j'enlève mon scotch, je monte notre métro, je remets le scotch, personne ne doit entrer dans mon périmètre. Et il est bien protégé. Donc voilà à peu près. C'était... Bon, c'est pour dire effectivement que c'est un peu ça ce qu'il dit. Il dit effectivement. Alors, comme nous le disons, en réalité, ce sont des mesures que la science, effectivement, aussi donne. Et qu'est-ce que nous voyons quand même que les failles, par exemple, quand on parle effectivement de, ne vous fâchez pas, nous allons retourner dans les Saintes Écritures. Quand on parle, par exemple, des vaccins, on pose beaucoup de questions pour les vaccins. Est-ce que les vaccins guérissent? Non. Parce qu'il y a un monsieur, ça j'ai entendu aussi poser la question, il dit, bon, maintenant, puisque j'ai pris les vaccins, je suis plus contagieux, c'est-à-dire que je suis plus contagieux, que si je m'approche de quelqu'un, il ne va pas contaminer. Il dit non, les vaccins ne protègent pas contre la contamination. Alors je dis, bon, ah bon, est-ce que j'ai pris les vaccins, maintenant je peux quand même être avec les gens sans problème? Non. Parce que les vaccins ne peuvent pas vous donner en fait l'immunité. Alors il dit, mais alors, si les vaccins ne donnent pas tout ça, pourquoi vous voulez que je me vaccine? Ah, il dit, mais pour te protéger contre la mort. Mais est-ce que les vaccins protègent contre la mort? Non. Vous pouvez mourir même étant vacciné. Alors maintenant, je pose la question. Ils ne me protègent pas contre la mort. Ils ne m'immunisent pas. Ils ne font rien. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut se faire vacciner. Alors, pourquoi? Pour les vaccins. Bon, évidemment, c'est ce qui est... Mais ils sont quoi? Maintenant, on se pose la question, et avec toutes ces choses, plus on fait, plus même on se vaccine, on meurt même avec ça, et alors on se pose la question, on va croire quoi maintenant? Je mets les masques, je passe nulle part, je suis contaminé. Est-ce que les masques me protègent contre... C'est pour vous que... Je ne peux pas reposer... Vous savez... Plus vous mettez dans le bulle comme ça, plus vous devenez fragile. Moi, je suis patient, moi, je suis pas docteur, hein. Mais vous savez que le corps d'être humain est plein de microbes. Ces microbes-là font que ça fait du bien à l'homme. Ben, maintenant, vous vivez dans une bulle où il n'y a rien. Et vous sortez dehors, mais c'est terminé. Donc, et les corona en question, ils trouvent une voie ouverte pour rentrer encore davantage vers son travail. C'est sûr et certain. Bref, bon. Simplement pour que vous compreniez une chose, c'est que on en a tellement parlé, et les gens en ont parlé, et puis ils ont dit qu'effectivement aussi que c'est dans ça, c'est aussi un signe que le Seigneur, notre Dieu Sauveur, vient bientôt, et que c'est le temps. Alors, je l'ai dit la fois passée, mais je le répète effectivement pour ceux qui... Il faut comprendre une chose, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ ne marche pas à la manière de la pensée des hommes. Je veux que vous compreniez que vos oreilles soient ouvertes, parce que il faut que la peur puisse s'éloigner de chacun de vous, en fait. C'est important. Il faut savoir que c'est les virus qui doivent avoir peur de vous, et non vous devez avoir peur du virus. Ça devient inverse. On vous pose la question, vous êtes en couvre-feu contre qui?
faut vous poser la question. Vous acceptez, mais j'ai dit, mais on est en couvre. Quand on est en couvre, c'est-à-dire qu'il y a l'ennemi qui vient avec des balles, on voit bien l'ennemi, et puis on se met en couvre-feu. Comme ça, lui, il ne sait pas s'il vient maintenant pour pouvoir chercher comment rentrer. Nous sortons avec les armes, nous abattons l'ennemi. Mais le corona, comment vous allez faire? Bien que vous avez des couvre-feu, comment vous allez faire effectivement pour que vous puissiez arriver à pouvoir l'éradiquer? C'est ça le problème, en fait. C'est que les gens. Parce que regardez bien. Vous avez trouvé les vaccins pour COVID-19, non? Il dit, je me transforme en un autre. Ah oui, il devient variant britannique. Donc vous dites, oh, on a encerclé variant britannique. Il dit, je me transforme, je deviens variant sud-africain. Donc maintenant, on dit, ah, on a encerclé Sud-Afrique. Il dit, je me transforme, je deviens variant Brésil. Ah, on va enfermer Brésil. Ah, papa, je me transforme, je deviens variant Uruguay. Bon, finalement, vous allez faire quoi dans le monde? Parce que chaque fois que vous trouvez, ah ben, je sais pas moi, c'est comme ça que vous pouvez écouter. Ne m'en voulez pas, je vous donne simplement ce que vous avez. Le problème, c'est qu'on perd le contrôle. On perd le contrôle. Puis vous dites, bon, notre espoir, c'est dans quoi? Dans les vaccins. Mais quand on vaccine, on va... Tout le monde qu'on a vacciné dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? On avait l'espoir là-dedans, il commence à nous lâcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettons les masques. Oh, on va protéger la population contre les contaminations. On distribue les masques. Plus tard, ah, jetez les masques. Pourquoi? Oh, vous restez longtemps avec les microbes paragrammatiques qui sont à l'intérieur des microsusies. Il dit, mais nous ne connaissons pas des microsusies. C'est-à-dire, vous nous avez donné les protections des masques. Maintenant, on les a. Et puis, vous nous avez fait ingérer des choses qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On garde les masques, on jette les masques, jeter les masques. Et qu'est-ce qu'on va apprendre à la place des masques? Les filtres, comment vous appelez les savons? Les mains des sœurs ont séché, parce que comme les sœurs aiment bien les mains douces. Ah oui, ces choses-là, c'est vrai, ces choses-là. Regardez vos doigts. Et chaque fois, regardez, tu vas dire, avant de dire bonjour, avant d'entrer dans le bureau, vous ne pensez pas à vos mains, mais ça détruit vos mains. Bah, je ne suis pas un médecin, on ne peut pas m'en vouloir. C'est simplement qu'on se réveille un peu. Mais ce que Dieu vous donne, ça ne détruit rien. Absolument rien. Alors, pour revenir à cela, effectivement, et comme je disais, effectivement, que, en fait, Dieu n'est pas un homme comme nous. Je vous l'ai déjà répété, et vous connaissez quand même les Écritures, le Seigneur ne va pas venir à cause du virus coronavirus 19. Il n'a pas le temps avec le corona, hein, parce qu'on a fait des missiles, effectivement. On va dire, ah, ce frère ne croit pas, retour du Seigneur. Vous savez que nous croyons, non? Mais pas à cause du virus. La foi que les gens suscitent dans les gens, que disent, nous sommes devenus croyants, ah, le Seigneur revient bientôt, c'est un signe fait. Ah, je crois, alléluia, c'est une fausse foi. C'est vrai. Je vais juste vous rappeler une chose, frères et sœurs, que peut-être beaucoup de gens ont oublié. Dans les années passées, on a eu à pouvoir entendre parler, il y a longtemps d'être quelques-uns parmi vous, n'étaient pas encore nés, on a eu à pouvoir entendre parler effectivement de la grippe espagnole. Ça a terrassé. Les gens ont couru dans les églises, effectivement, dit, oh, la fin du monde, Dieu revient, Jésus-Christ revient. La grippe espagnole est passée. Il n'est toujours pas. Voilà. Non, souvenez-vous de ce qu'il a toujours eu à pouvoir dire, que les jours du Seigneur viendra avec les trompettes. Non, non messieurs, les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce n'est pas pendant les bruits des coronas, c'est parce que... Non, vous devez comprendre maintenant pourquoi... Mais c'est la vérité, mon précieux frère. Il faut lire les Saintes Écritures. Il ne viendra jamais quand il y a des bruits comme ça. Non, il viendra quand... Quand les hommes diront... Alors croire. C'est toujours ça la vérité. Une ruine soudaine les surprendra. Pas pendant le corona. Non, monsieur. Maintenant, posez-vous la question, on va savoir maintenant, parce que c'est peut-être eux, ils ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a corona? Nous avons aussi entendu que, et quand vous, en tant que peuple de Dieu, fils de Dieu, effectivement, vous connaissez votre protection, non? Oui. Alléluia.
Vous savez que ça, c'était écrit pour que vous puissiez réaliser que pour le, pas pour le soi-disant croyant, parce qu'il y en a de ce champ aussi dans quelles conditions les choses sont. Regardez bien, dans Malachie au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, je pense que oui. Pardon. Il dit, Malachie 4, il dit ceci, verset 1, il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront donc comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, il ne les restera ni racines ni rameaux. Écoutez bien, verset 2 dit, mais pour vous qui craignez, c'est important. C'est important. Connaître les noms en question, d'avoir la crainte, effectivement, ça démontre que c'est un peuple tout à fait différent. Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir parmi les nations un peuple qui porta son nom. Donc vous comprenez cela, effectivement, qu'il dit, mais puisqu'il connaît mon nom, je les protégerai. Et puis il dit, mais je le glorifierai, c'est le psaume 91, hein, et je le glorifierai. Mais il va glorifier qui? Hein? Vous savez, c'est quand nous lisons les saintes écritures, mon frère et ma soeur, que nous savons comprendre que Dieu utilise des termes très appropriés pour des choses très particulières. Vous vous souvenez? Parce que quand j'ai dit que je les glorifierai, c'est pas moi qui dis, la Bible dit, elle est très bien. Dans psaume 91, regardez bien, afin que nous comprenions ça. Psaume 91, il dit, c'est quoi si au verset, verset 11, nous pouvons le dire effectivement, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sous l'aspic. Vous voyez? Donc, même sous l'aspic et sous les lions, tout ça dit, il dit, mais tu fouleras les lionceaux, les dragons, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Écoutez bien, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui où c'est dans la détresse. Je ferai quoi? Je le délivrerai et je ferai quoi? Je le glorifierai. Vous entendez cela? Je le glorifierai. Alors prenons dans Romains d'abord au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Pour que vous puissiez savoir à qui Dieu s'adresse, c'est important. Romains chapitre 8, nous lisons ici à partir du verset 28. Je pense sur Romains 8. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, Romains 8? Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Vous l'avez entendu dans le 31, non? Puisqu'il m'aime, vous connaissez le nom? Donc, tous ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon. Maintenant, verset suivant, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de qui? Afin que son fils soit le premier d'entre beaucoup de frères, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelé. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi. Voilà. Que dirons-nous? Écoutez bien, parce que j'ai dit, mes frères, tu peux te dire. Écoutez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Maintenant, verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Qui accusera qui? Il s'agit des élus, mon frère. C'est des élus que Dieu va glorifier. Mais c'est vrai. Regardez dans la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans Jean 17. Regardez. Jean chapitre 17. Regardez. Oui, regardez bien. Jean 17, je veux que vous puissiez voir. Ici, Jean 17, ici, il dit, oh, il dit, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, le revenu, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Vous entendez cela? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donc donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit bien, verset 4, « J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, qu'est-ce que tu vas faire? Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, le Père doit glorifier le Fils.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, non? Parce qu'il dit, mais voici mon élu. C'est comme ça qu'on a parlé de lui, non? En qui j'ai placé mon cœur. Donc ça dit que quand il parle effectivement que je le glorifie, mais en fait que je le glorifierai, il s'agit effectivement du peuple qui est consacré à Dieu, des élus des dieux, parce qu'ils ont une nature particulière. Vous suivez cela, non? Parce que même dans sa prière, et cela c'est quelque chose qui frappe encore, qui choquerait peut-être les gens d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, pour voir comment, jusqu'où le Seigneur Jésus-Christ a été. Regardez, je vais simplement montrer cela, puis nous revenons à ce que je voulais faire la session. En fait, que vous compreniez, frère, quand il s'agit du peuple de Dieu, il a dit que votre cœur ne se troublait pas. Le problème, c'est parce que les gens se sont éloignés en écoutant n'importe quoi, en lisant n'importe quoi, et ils savent peut-être... Non, il faut revenir aux Saintes Écritures. C'est la parole, c'est par la parole que Dieu fait toutes choses. Quand il permet quelque chose, il y a toujours une trace dans les Saintes Écritures. Pour le peuple de Dieu, ce peuple doit être attentif à ce que Dieu lui dit. C'est pas pour rien que Dieu a permis qu'il y ait la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que tout est écrit là-dedans. Ce qu'il va faire dans ces temps. Ce qu'il verra encore plus tard, c'est écrit. Le problème, c'est que tu es assis, tu es négligent. Tu n'écoutes même pas. Tu es simplement en train de pouvoir regarder à gauche, à droite, penser à je sais pas moi quoi. Mais tu n'iras jamais nulle part. Oui, mon frère, Satan est toujours rusé. C'est quand il s'agit de là. J'ai toujours dit, effectivement, quand on doit chanter gloire à Dieu, tout le monde est attentif. On voit que les cieux sont sur la terre. Mais quand on doit écouter la parole de Dieu, tout le monde devient distrait. Mais c'est la tactique de Satan. Parce que c'est la parole de Dieu qui te fait vivre. Si vous demeurez, pas dans mes chansons, mais dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors tu chanteras la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être plus attentif pour avoir l'inspiration des cantiques. Parce que tu vas chanter qui? Tu vas chanter quoi? Tu vas glorifier qui? Puisque tu n'as même pas entendu ce qu'il a fait pour toi. Oh, gloire à toi, tu manques, mais tu n'as pas encore entendu ce qu'il a fait. C'est quand j'entends ce qu'il a fait que je peux chanter. On renverse la vapeur. On est très attentif en cantique parce que ça fait du bien en ton âme, mais ce que lui il a fait, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Donc, pour dire que je ne saurais tout, c'est qu'il a déjà fait. Il a fait, alors tu dis alléluia. Quand j'étais malade, il est venu. Je n'avais pas du travail, il a fait. Je n'avais pas de bébé, il a donné. Alléluia. Alors tu dis, mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. Donc, tu chantes quelque chose dont tu exprimes effectivement cet amour à l'endroit de ces dieux. Autrement, il y a un souci. C'est ça le problème que nous pouvons arriver à pouvoir dire. Alors nous disons, regardez bien, pendant qu'il priait effectivement, puis il nous a mené encore dans une dimension pour démontrer réellement, non, il nous a vraiment aimés. Et quand on dit que l'épouse est vraiment 100% la nature de la tête, évidemment, c'est la vérité. De même que nous avons porté l'image du terrestre, vous savez, Dieu nous parle avec certitude, avec des preuves pour que tu ne puisses pas douter en fait. Il dit, tu as quand même porté l'image du terrestre. Et ce terrestre, c'est, on l'appelait Adam. Mais maintenant, tu as les derniers Adam. Comme tu as porté l'image du terrestre, dont le premier Adam, eh bien, tu vas aussi porter l'image du dernier Adam. Or, le premier était terrestre. Amen. Mais le dernier, il est le Seigneur du ciel, donc il est céleste. Donc ça veut dire que, oh oui, quand on nous regarde, on voit que nous ressemblons à Adam, parce que nous venons d'Adam. Mais il faut maintenant que quand on te regarde, on ne te voit plus, on voit le céleste. Ah oui, Christ a nous l'espérance de la gloire, qu'un jour, cette image ici partira, mais c'est son image qui apparaîtra.
C'est pour ça que nous sommes appelés à faire tous nos efforts, mon frère et ma soeur, à être nourris par la parole de Dieu, qu'elle prenne place, un enfant de Dieu soumis à la parole. Il a le désir et l'amour que la parole pénètre son âme. Pourquoi? Parce que cette parole a un objectif, en fait, c'est que la nature charnelle qui est de l'homme puisse disparaître de plus en plus. En fait, que la nature qui était donc ta nature à toi. Ah oui, n'oubliez jamais ce que vous entendez, parce que nul ne peut naître de nouveau s'il n'avait pas existé auparavant. La nouvelle naissance, c'est que tu retournes dans ta condition. Ah, ah. Oui, bien sûr, nous étions donc ses attributs et nous étions donc en lui. Si nous étions donc en lui. Car Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et aussi, il nous a élus avant, mais en lui. Donc, j'étais toujours en lui. C'est pour ça que, croyant, quand maintenant le voile est levé, il devient amoureux. Il n'a pas peur, mon frère. Il dit, ma vie à moi n'a pas de valeur sans Christ. Alors, qu'on me tue, qu'on me... Mais c'est vrai, frère et sœur. Ce sont les hommes charnés de ce monde qui n'ont pas de destination véritable, qui s'accrochent à des choses. Ah, si je veux, ça sera, on va me donner des amendes. Mes frères, on paye même des amendes pour les charbons. M'a fait bon gaffe. Bien sûr. Oui, oui. Même si tu viens, mec, tu sois chez toi, tu sois effectivement, un petit moment, paf, tu brûles le feu au centre, tu te rends compte, paf, paf, c'est 300 ou 500, 400 qui viennent, effectivement, ainsi. Je préfère souffrir pour la cause de la parole de Dieu, ici, ça, c'est. Parce que je sais que Dieu, notre Seigneur, chaque enfant de Dieu, il est comme cela. C'est pour ça que vous ne réalisez pas, en fait, les démons, Satan, ailleurs, cherchent à pouvoir trafiquer la parole pour introduire toujours, en fait, les doutes dans les personnes. Tu peux voir quelqu'un qui est, alléluia, Dieu a envoyé un prophète. Mais quand maintenant il s'agit de pouvoir maintenant passer maintenant par la preuve pour prouver la foi dans les saintes écritures, on voit la personne, et comment se dire, mais tu es exalté tellement que Dieu nous a visités. Mais si Dieu t'a visité, c'est pour te restaurer. Et tes frères, effectivement, qui dans les temps anciens, comme on disait, effectivement, qu'on prenait pour aller même couper au bûcher, effectivement, comme des vaches. Oui, oui, qu'on brûlait au bûcher, qu'il faut régner Christ. C'est parce que maintenant, tu dis, ah, j'étais dans ce temps-là, j'ai loué Dieu, j'ai dit, même s'il faut me tuer, alléluia, tuez-moi, moi j'aime le Seigneur, je suis un aigle. Bon, tu es un aigle aussi aujourd'hui. Mais on a pris des mesures de naissance. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, tous ceux qui disent qu'ils sont des aigles sont plutôt de vautours. Amen, amen. Parce que l'aigle ne fuit pas les dangers. Vous connaissez la tactique de l'aigle? Lorsque la tempête est frappe, là, les autres viennent, oh non, non, l'aigle se laisse porter. Ah oui, parce que il a... Et la confiance dans... Vous ne devez pas être distrait, vous devez vraiment bien être attentif, parce que vous suivez les micros, merci. Et l'aigle, il a confiance dans ce qu'il a comme envergure. Alléluia. Ah oui. Ah oui, oui, oui. La tempête vient, elle vient tellement très fort là. Il dit ça, il dit, je n'ai même pas à pouvoir faire un effort pour monter. La tempête va me transporter. Il étend simplement ses ailes et il monte sans se... Parce que ça lui a été donné pour ça. C'est pour ça que Dieu nous a donné aussi la foi, frère. Que dans des moments, parce que tu vas l'exercer où, dans quelles circonstances? Quand tout va bien, alléluia, gloire, je crois en Dieu. Non, c'est quand ça devient chaud. Les trois Hébreux, ils ont prouvé qu'ils avaient foi en ces dieux. La fournaise était là, là, là. On n'a pas dit, ah non, je dois suivre ce que Nebuchadnezzar a dit, oh, Strambulke, guitare, sonne vite, pour que je m'incline. Non! Il dit, guitare, vous pouvez sonner. Strambulke, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez comme instrument, battez, mais moi ici, je reste droit. Amen. Parce que mon Dieu a dit, mais tu ne pourras pas honorer un autre Dieu que moi-même. Il dit, oh roi, on te respecte. Nous ici, nous rendons à César ce qui est à César. Ça, on le fait. Mais à Dieu, nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Et toi, tu donnes tout au César, je viens. Comme tu as dit, César, pourquoi j'ai peur qu'on puisse prendre encore mon salaire, peut-être coupé à cause des amendes. Ah, ce que Dieu a fait pour moi. Je savais que quand je n'avais pas ce travail,
j'allais dans des endroits où on engage les gens. On te regarde, ne toi pas. Fanden Binance. Tu peux signer, même s'il n'a pas de compétences plus que toi. Tu deviens, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je suis ingénieur. J'arrive là-bas, les autres sont des soudeurs. Mes soudeurs prennent le contrat. Et moi, ingénieur, c'est dit, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Et puis, il dit, bon, Seigneur, viens-moi en aide. Frères et sœurs, prions le Seigneur, parce que notre Dieu a dit, oh, nous savons, notre Dieu a fait la promesse. Demandez, vous recevrez. Alors, frère, viens, on va prier ensemble. On a prié comme ça. Seigneur, que tu puisses toucher le cœur d'ailleurs, que tout ce jeune homme qui vient de penser, mais toi, tout, évidemment, que quand il voit un fils de Dieu. Amen. Tu vas comme ça, dis, ah, monsieur, vous êtes monsieur, ah, test, oh, regarde, oh, ah, ça va, eh bien, vous êtes incompétent, faites un test, oh, mais c'est vous, alors, signez, c'est parce qu'on a prié pour vous. Amen. Et maintenant que vous avez ce travail, maintenant, la fournaise est allumée quelque part. Ah, je risque de perdre mon salaire parce que, mais ce salaire-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Vous réfléchissez toujours à l'envers. Celui qui voudra sauver sa vie, s'écrit, qui va changer l'écriture? Ton patron? Ton salaire? On peut prendre toutes les mesures possibles du monde et de la terre. Personne ne changera l'écriture. D'ailleurs, je vous informe, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, ça va s'accomplir. Dieu n'attend pas pour dire, je vais l'avoir avant s'accrocher à moi pour accomplir. Il en a. Ouf. Tu t'accroches pas, il sait que celle-là, il va s'accrocher. Frère, vous pensez que Dieu perd son temps avec vous? Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, je vais revenir, frère, combien y a-t-il de milliers sur cette terre qui louent encore Dieu plus que toi? Et dans des conditions même que, frère, moi j'ai la grâce de voyager dans le monde entier, voir différentes personnes, différentes cultures. J'ai la grâce que Dieu m'a accordée, ça cause son ministère, hein. Que ce soit par les Indiens, par les choses, et même, je ne sais pas, je me regarde moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils voient? En fait, ah oui, j'ai l'expérience, frère, dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vais là-bas, les gens, les sœurs, les frères, les gens vous aiment. Mais je peux même vous dire, parce que jusqu'aujourd'hui, on envoie, il faut que tu viennes, hein. Ne parlons pas des Pakistans. Pakistan, ils sont tellement amoureux. Ah oui, je vous dis la vérité, frère. Tellement amoureux. Il y a même la fille du frère, de dire, ah, pasteur, tu viens quand? Je dis, je veux qu'on vous dise, mais vous savez, dernièrement, mon papa, ma maman était tellement malade qu'on allait à l'hôpital, ça n'allait pas, mais mon papa, quand il vous a appelé, lorsque vous avez prié pour ma mère au téléphone, ma mère est complètement guérie. Et elle est, je vous dis la vérité, frère. Parce que quand j'étais au Pakistan, ils ont vu Dieu vivant. En action, mais oui, frère, vous vous souvenez, vous les anciens qui êtes ici, hein, vous vous souvenez, même les journaux ont publié cela, comment, avant que je n'avais jamais été là-bas, mais cette personne qui était malade et qui, un Pakistanais, donc, vous connaissez bien, dans le territoire des talibans, vous connaissez les talibans, vous savez, il était vraiment mourant, riche personne. Aller à l'hôpital, on a fait tout, le médecin lui a dit, en tout cas, on a tout fait, mais monsieur, ici, on ne peut pas, vous allez mourir, effectivement, appelez votre famille pour leur dire les derniers au revoir, ainsi de suite. Et il a fait ça. Et moi, j'étais invité, effectivement, pour aller là-bas, pendant que monsieur était à l'hôpital, effectivement. Et voilà qu'il est dans son lit d'hôpital, évidemment, pendant qu'il sentait que son souffle s'en allait, il a dit, Pakistanais. Territoire des talibans. Il a dit, Dieu du ciel, je sais que tu existes. Mais voilà que je suis en train de voir mourir, les médecins ne peuvent rien faire. Et je m'en vais, je meurs, effectivement. Mais je te demande quelque chose, si tu peux me guérir de cette maladie ici, je louerai ton nom, je dirai aux hommes, tu es le Dieu vivant. Alors, il était tellement sincère parce qu'il a pleuré. Et voilà que le monsieur s'endort dans son lit de l'hôpital, comme le sommeil normal, pas qu'il est mort. Et voilà que, pendant qu'il était en train de dormir, il entend une voix qui lui dit, « Lève-toi, vous entendez bien, et sois guéri. » L'homme se réveille,
Et puis maintenant, je crois que dans un il dit, mais quand j'ai entendu la voix, je me suis levé et je me suis tourné pour voir d'où venait la voix. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu votre frère. Ah ben oui. Décrit avec la barbe, décrit avec les cheveux que vous voyez, tout ce que vous voyez ici, là. Ah oui, mais habillé aussi comme un chien étalé. Et là, il s'est levé, il était complètement guéri. Il a commencé à courir dans l'hôpital, oh, je suis guéri. Les gens ont dit, mais monsieur, il est fou, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Oh, les dieux du ciel. Je l'ai prié, effectivement, et je l'ai demandé, et puis j'entends une voix qui me dit, lève-toi. Il m'a envoyé son serviteur, écoutez bien, qui est venu, effectivement, dit, ben, j'avais pas été là-bas. Il dit, et quand il a prononcé la parole, je suis guéri parce que le Dieu du ciel, il m'a décrit de A à Z. Ces gens disent, mais oh, un tel homme n'existe pas quand même. Hein. Et puis il est, vous voyez, bassané, foncé, si c'est nous ici, nous sommes des talibans. Hein. Il dit, non, je l'ai vu, il a prononcé la parole et j'ai été guéri. Le Dieu du ciel m'a visité, effectivement. Et c'est comme cela que, avec toutes les péripéties que j'ai eues, là, vous connaissez comme on me cherchait pour m'arrêter au Pakistan. Vous vous souvenez de cela? On m'a caché dans les choses, effectivement, toute la nuit, effectivement, je voyais des gens là qui pleuraient parce que la police est vraiment venue pour me chercher, pour m'arrêter. Et alors, on m'a fait fouiller, effectivement, là, et puis je suis parti, et là, c'est comme ça que je suis allé jusque dans le territoire italien. Mais pour rentrer dans le Taliban, je ne devais pas avoir ma cravate, et mon costume. Non, il dit, là-bas, ce sont les talibans, ce sont des gens qui sont durs. Hein. Alors, pour qu'on puisse, en fait, se couvrir, habille-toi comme eux. Ah ben, j'avais les gros boubous. J'avais la grosse chose dans le pantalon en dessous, là, vous savez, là. Et puis j'avais le casque des talibans, vous connaissez, là, dessus comme ça. Et je m'asseyais derrière. On me dit, ne dis même pas un mot, qu'on n'entende même pas ta voix parce qu'ils n'aiment pas les Américains. Je dis, je ne suis pas Américain. Mais je vous dis la vérité, parce qu'on m'avait même convoqué quand je suis rentré dans le territoire là-bas pour aller prier, finalement, pour les gens. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient que je prêche. Et j'arrive là-bas, on me dit d'abord on passe par les services, je ne sais pas moi quoi là. Bon, je suis arrivé là-bas, votre passeport, bien sûr, je donne mon passeport. Puis les colonels étaient là. J'ai vu des choses dans ma vie. Hein. Les colonels ont commencé, bon, on doit vérifier. Brr, brr. Et puis je vois l'autre là qui vient. Brr, 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 brr. Je dis, oh. Il dit, monsieur, vous êtes venu d'où? Moi, j'ai dit, mais je suis belge, vous voyez. Vous êtes américain. Oh. J'ai dit, écoutez, je parle anglais, c'est vrai, mais c'est pas la langue de chez nous là-bas. Chez nous, on parle les flamands et les français. Je suis pas américain. Et puis, il retourne encore là-bas. Non, c'est un espion américain. J'ai dit, vous voyez vraiment la tête de l'espion? Il dit non, monsieur, je ne suis pas espion, je suis venu simplement pour visiter. Il dit non. On ne croit pas que vous devez être un espion américain. Bon, dernièrement, on vous remet votre passeport, vous devez quitter notre territoire. Ah, mais j'ai dit, mais j'ai un visa qui fait un mois. Il dit non, vous devez le faire et vous partez. C'est ça, donc c'est comme ça que j'étais devenu une personne non grata, donc ça veut dire qu'une personne indésirable, là-bas, effectivement, ainsi. Et voilà que, pour aller là-bas, c'est pour ça que dans le bus, effectivement, que j'allais là, dans Mardan, territoire de Mardan, on me dit, il ne faut même pas dire un mot, parce qu'il faut même qu'on vous entende, effectivement. Quoi. Je venais de fouiller une autre ville, c'est la ville où vous voulez m'arrêter. Et là, je m'asseyais derrière, là. C'est ça, on m'avait donné deux mots pour répondre à leur langue. Parce que bon, si quelqu'un te pousse, moi aussi, j'ai dit, bonjour. Même j'ai dit, mais tu vas aux toilettes, j'ai dit, bonjour. Ah oui, parce que c'est le mot que lui m'a mené, comment dire, mené. Pousse-toi un peu là, bonjour. Parce qu'au moins, ça les apaise qu'ils entendent que je parle quand même quelque chose de leur langue. Mais ce que je disais à leur langue, je ne comprenais rien. J'ai vécu des choses, vous savez. Et alors, je suis seulement avec le capillaire des talibans, habillé dans le taliban pour qu'ils voient que je suis un peu intégré. On arrive maintenant aux talibans, à la territoire, on descend. Et là, on avait organisé des réunions. Et qu'est-ce que je trouve, effectivement? C'était des militaires, en fait. Il y en avait deux, comme ça, avec des armes, pour
protéger l'endroit où j'allais, pour tenir les règles. Oui, parce que c'est un endroit chaud. Oui, j'ai des photos, hein. Primaire avec ce militaire-là, effectivement, aussi. Et alors, à un moment où la réunion commence, effectivement, les gens sont invités. Et pendant cela, on avait invité même ce monsieur-là pour venir, effectivement, aussi écouter. Il n'avait jamais été, mais ce jour-là, il a tenu son cœur qu'il voulait venir, effectivement. C'est pendant que je prêchais la parole, et que maintenant, il y avait la ligne de prière, effectivement, que les gens avançaient pour que je prie pour eux. Sa femme était malade. Et il devait accompagner sa femme pour que je puisse prier pour elle. Quand il s'est approché, dans cette salle-là, il y avait son cousin, son nom, auquel il avait vraiment parlé. Il m'avait décrit avant même qu'il me voie. Mais avec une précision extraordinaire. Quand il s'est approché, parce que je ne le voyais pas, quand il s'est approché maintenant avec sa femme pour que je prie pour sa femme, il a lancé les cris. Ah, les voici, vous vous souvenez? Les voici, les voici, les voici. Oh là 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 là. Mais puisque la salle connaissait, la plupart connaissaient quand même ce qui s'était passé avec lui, effectivement, que les gens le prenaient pour un fou. Mais maintenant, ils ont vu la personne exactement comme il avait décrit. Alors, vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé dans cette salle, effectivement, pendant la réunion de prière, effectivement, ainsi de suite. Et le monsieur ne voulait plus se détacher de moi. Il dit, je sais qui tu es. Parce que ce n'est pas un homme, mais le Dieu du ciel m'a dit, qu'est-ce que tu as comme importance dans ce qui concerne le salut? Oui, monsieur. Il s'est accroché à moi. Pendant ce temps-là, on me cherchait dans le pays pour m'arrêter. Alors il dit, comme je te vois là, j'ai vu que tu viens chez moi à la maison. Je vous ai raconté ça ici, non? Et comme Pierre dans la maison de Corneille. Et voilà que j'arrive là, il avait une grande maison, mais à étage, mais vraiment, très grand salon, immense, évidemment. Il avait des travailleurs. Quand je suis arrivé, il avait invité toute sa famille. Et c'est, mais les gens avaient un respect, parce que c'est comme s'ils voyaient Dieu. Oui, il avait un respect, mais vraiment, je vous dis la vérité, un respect profond. Toute sa famille était là, serviteur était là, effectivement. Mais quelle table de dîner on m'a dressée. J'étais comme un petit roi. Moi, j'ai dit, moi, qu'on chassait comme un petit renard. Et si on me reçoit comme un petit prince, j'ai dit, Dieu d'Abraham, que ton nom soit béni. Ah, j'ai dit, ici, je mange et puis je continue mon chemin. Non. Il me dit, tu manges. Lorsque tu auras mangé, tu vas nous baptiser. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur. J'ai dit, je suis dans la maison d'un homme riche. Alors, comme je dois le baptiser, il doit avoir une piscine. J'ai dit, tu as une piscine? Il dit, oui. J'ai dit, alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais peur que dehors, on puisse m'arrêter, me retrouver, puisqu'on me cherchait. J'ai dit, mais alors là, on va s'apprêter. Et puis, il me dit, ah non, on a un petit souci. J'ai dit, mais lequel? Et la piscine est vide. J'ai dit, oh. J'ai dit, si la piscine est vide. Je vous dis vrai, hein. Parce que les gens pensent que frère, il y en a un autre. Non, non, je vous dis vrai. J'ai dit, mais si la piscine est vide, il n'y a pas de problème. Mon frère ici va vous baptiser. Bien. Lui, je connais quand même. Toi, je sais d'où tu es. Jamais quelqu'un d'autre ne va me baptiser, ni moi, ni ma famille, ni tous ceux qui sont dans ma maison. Toi, je te connais. J'ai dit, Seigneur, ici, Jésus. J'ai dit, mais je vais te baptiser où? Au fleuve. J'ai dit, fleuve. Seigneur, j'ai dit, ça c'est ma mort. J'ai dit, je n'ai même pas téléphoné là-bas à la maison. Ah oui, oui. Pour dire que si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a accompli. Je suis rentré. Ah oui, oui, parce que je n'ai pas très téléphoné. Frère, vous ne vous rendez pas compte. Au Pakistan, on coupe la tête des gens. Et en plus, j'étais un homme recherché. Ah ben oui, vous ne voyez jamais le risque que moi je prends quand je dis prier pour moi quand je pars. C'est pas pour faire, comme on dit, plaisir. Non, monsieur, ce sont des combats. Et puis il me dit non. J'ai dit, mais le fleuve, il est où? Il est là-bas. Je dis, mais moi je pars demain. Et aide-moi qu'est-ce. Il dit, non. Et puis il dit, d'ailleurs, j'ai tout ce qui est nécessaire. Il avait déjà un vêtement qui était, comme il était quelqu'un qui avait de l'argent, il avait un vêtement qui était mis ici, comme chez eux, genre de la manière de voir ses portes blancs comme ça. Mais avec là, il y avait des lisières dorées comme ça. Je l'ai encore, hein. Qui était à lui. Il dit, ça c'est pour vous habiller. Moi j'en ai effectivement aussi. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, il a même les vêtements pour le baptême. Alors j'ai dit, mais maintenant comment on va? Il dit, ah, ne t'inquiétez pas. Il dit, mais tout ce monde, il dit, ne t'inquiétez pas. Les voitures sont là. Il dit, moi je prends la première voiture. Je peux conduire parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre te conduise. Je m'assieds ici, toi tu t'assieds là. Et là derrière sera ma famille et puis les autres voitures vont nous suivre. Frères et sœurs, je me lève, évidemment la voiture était là. Je rentre dans la voiture, je m'assieds et puis demain on commence à aller, je commence à prier. Et je commence à confesser maintenant.
J'ai dit, Seigneur, prépare-moi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Là où j'ai mal fait, pardonne-moi. Je commence à me... Mais frère... Parce que tu sens que là, tu vas aller, tu vas plus le dire. Eh oui, en plus, à l'extérieur, tu vas baptiser. Vous savez que quand vous baptisez un musulman, pardon, j'en ai un musulman, mais ils vont vous lapider, ils vont vous tuer. Renseignez-vous, effectivement, là-bas, oui. Et puis, j'ai dit, bon, si, maintenant, je ne sais pas. J'étais là, lui, il était heureux, alléluia. Il dit, Jésus, dit, moi, j'étais un malheureux. Je ne dis pas ça pour faire, mais c'est la vérité, frère. Ah, j'ai dit, Seigneur, parce que j'ai dit, bon, je vais mourir dans le coin-coin des comment on appelle ça, madame. Personne de chez moi là-bas ne connaît madame. Et puis, comment ils vont savoir ici? Et puis, ils vont contacter qui? C'est même si, et puis, même si les journaux ne le savent pas, on a coupé la tête, on a mis un sac poubelle, et on a jeté, puis vous êtes là, il est parti, vous ne savez plus. J'ai dit, bon, Seigneur, si c'est le jour, prends-moi. Lui, il était heureux, on conduisait, on tournait. Je me disais peut-être que bon, on va trouver peut-être quelque part dans un fleuve où ce sera un peu caché avec les herbes gras comme ça. Je trouverai l'occasion de voir comme on se met derrière l'herbe. Je baptise vite et plus vite. Non! Je vois seulement, il arrive là. Ici, c'était les grands boulevards. Ce que je vous dis est vrai. Et on rentre, et puis le fleuve en question, tout le monde, même s'il est sur, dans sa maison, il voit tout ce qui se passe là. J'ai dit, Seigneur, une place pareille, ils n'ont pas trouvé un autre endroit. J'ai dit, même si la vie de quelqu'un va s'achever, mais quand même. Et voilà que je descends là-bas avec la mort aux lames. Et puis l'autre grand problème que j'avais, que j'ai toujours, je ne sais pas nager. J'ai dit, Seigneur, je vais d'abord les noyer avant de les baptiser, parce que je ne connais pas la profondeur du fleuve en question. Par où je vais commencer d'ailleurs? Si je savais nager, ça va. Mais je ne sais pas nager. Comment ça va être si je dis, mais tu dis, mais on va entendre d'abord, il était d'abord lui-même incapable de nager. Il s'est noyé, il a voulu noyer les talibans, les pakistanais. Donc tout ça, ça va faire scandale dans les journaux. Alors, lui, il était heureux, là, et moi, j'ai sorti, là, avec ma Bible. Là, je ne faisais que pleurer, prier. Là, on prie vraiment, hein. Je ne faisais que prier. Parce que quand tu tournes les yeux comme ça, tu vois, là, comme si tous les talibans, là, ils vous regardent pour voir ce que vous allez faire. Ah, j'ai dit, Seigneur, couvre-moi. Alors, pendant, Dieu que nous servons, il est vivant. Pendant qu'on allait, effectivement, et moi, j'étais en train de pouvoir pleurer, supplier Dieu. J'ai dit, mais d'abord, comment je vais d'abord tâter le fond de l'eau? Frères et sœurs, tout d'un coup, je vois, sur ce fleuve-là, il y a un petit bateau qui vient. Il vient d'où? Je n'en sais rien. J'ai toujours dit, c'est comme un bateau au temps de l'époque, effectivement. Et ce bateau, il vient juste, moi je m'éteignais ici, avec ces gens qui partaient avec lui, il vient de là, il se tient là. Et puis il dit, mais... Il parlait avec lui, il dit, mais vous allez baptiser? Moi j'ai dit, oui. Il dit, ne vous inquiétez pas. Puisque vous allez baptiser et que vous ne connaissez pas la profondeur, moi ici, je vais tâter pour vous dire exactement ce que je vous dis. Frère, vous savez, au Pakistan, ces gens, il y en a un qui a prié, qui a pleuré, dit, mais j'avais quand même prié Dieu en disant, Seigneur, avant que je meure, laisse-moi voir quand même un comme les apôtres à l'époque. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Que je vois effectivement, comme tu agis avec les apôtres, que je vois de mes yeux, même les actes des apôtres, effectivement, sous mes yeux. Et il a vu cela, mon frère. Amen. Parfois, quand je parle comme ça, je dis, non, je peux vous mettre en contact la personne, je dis, Jésus, mais il n'est pas encore mort. Mais il est vivant. C'est la personne qui même, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est tellement amoureux, il dit, parce que je connais qui tu es. Je peux vous le montrer, frère. Alors, je crois qu'il était parmi ces gens-là. Il était parmi ceux-là. Et puis il dit, je vais tâter pour vous. Il me dit, je vais tâter pour vous. C'est moi qui dois vous montrer, effectivement, l'endroit où vous devez baptiser. Il prend un bâton qu'il avait à l'intérieur. Il fait tcha 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 tcha. Il dit, vous descendez là. Il dit, mais quand vous allez descendre pour le baptiser, n'ayez pas peur. Moi, je me tiens ici. S'il y a un problème, j'ai aussi la corde que je peux vous mettre dans l'eau. Mais soyez sûr que là où vous avez demandé de pouvoir baptiser, vous allez baptiser les âmes, effectivement, et vous terminerez votre travail.
vous avez un soulagement. Et puis la femme du monsieur, j'ai oublié, elle s'est écriée en disant, mais c'est comme au temps de Jésus. Amen. Comme ça. Non, mais le Seigneur était vraiment palpable. Et je descends dans l'eau, je baptise toute la famille, effectivement, de ce qui était venu. Et puis je sors de l'eau. Regardez, frère. Je termine de sortir de l'eau, effectivement, tout est bien, on commence à partir. Et le bateau, on tourne les yeux, on ne sait plus très bien où est le bateau. Oui, on a regardé, le bateau a disparu. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment les dieux. Quand un homme est dans la détresse, tu es les dieux qui sait arriver à pouvoir faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai, frère. Donc, toutes les circonstances, quand on invoque son nom, ce n'est pas un homme, frère, comme nous le disions, je vais terminer avec le commandement. Ce n'est pas un homme, frère. On ne doit pas jouer avec Dieu, ni on ne doit pas le limiter à des choses comme ceci et cela. Frère et sœur, non. Il a dit que je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire que tu dois marcher avec cela en toi. Frère, on peut même être contaminé, mais le Seigneur ne va pas te laisser. Il va arriver à pouvoir nettoyer. La grippe, ça arrive, nous attrapons la grippe. Puis ça part aussi. C'est comme la grippe aussi. Ah, mais oui, bien sûr, monsieur. Quand mon frère ou ma soeur ont la grippe ici, qui touche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous fouillez? Enfin, je parle comme ça parce que bon, on met le masque. Vous comprenez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la fuite? Non. Bien sûr que. Pourquoi vous ne prenez pas la fuite? Et pourtant, vous savez que la grippe, elle est contagieuse. La grippe, elle est contagieuse. Et les symptômes même du corona sont plus ou moins la même chose que la grippe, effectivement. Mais c'est la vérité. Bon. Nous, on n'a besoin pas des gens qui sont assis et qui tremblent. Nous avons besoin des gens qui sont fermes. Advienne que pourra. Parce que ma vie à moi, elle est... D'ailleurs, mon frère, ma soeur, vous avez plus que ce que vous pouvez imaginer. Revenons. Donc, remarquez très bien que... Alors, ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec ces virus corona. Qu'on commence à pouvoir faire des démonstrations dans les églises. Je veux que vous puissiez l'entendre, en fait, que vous soyez vraiment affermis dans les choses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mon frère et ma soeur? Juste quelques points pour que vous puissiez voir. Dans le plan du Seigneur, il est parlé dans le livre de Apocalypse chapitre 13, nous l'avons lu ici, qu'est-ce qui va se passer effectivement que, je vais vous lire, en fait, parce qu'on peut dire que voilà, chapitre 13 d'Apocalypse, il nous dit... Rapidement. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes. Je vais prendre la même chose que vous ici. Yes. Donc comme ça. Apocalypse au chapitre 13. Voilà. Apocalypse chapitre 13, voilà. Puis je vis monter. Verset 11, pardon, oui, c'est ça. Voilà. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été donc guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Vous suivez? Elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et grands, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous remarquez réellement que personne ne pouvait ni acheter ni vendre, il fallait qu'effectivement qu'il puisse recevoir la marque, effectivement, ainsi de suite. C'est ce que la Bible dit.
Et ça, ça doit s'accomplir. Maintenant, remarquez très bien. Et la marque de la bête n'est pas la chose qu'on vous injecte. Il faut bien comprendre d'abord, je dois être quand même clair par là, parce qu'il s'agit des choses spirituelles. Ce n'est pas les vaccins qu'on va vous injecter ou ceci. Non, ça, ce sont des enfantillages. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur de cela, qu'est-ce que les gens donnent effectivement. Alors, regardez une chose. Il devait faire en sorte que personne ne pouvait venir acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête. Alors, remarquez très bien, frère, je veux que vous compreniez cela, vous qui êtes un peuple de Dieu. Regardez. Ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, c'est simplement ce qu'on appelle une projection de ce qui va se passer. Regardez, écoutez-moi très bien. Vous savez que le dernier empire, on a dit dans Daniel au chapitre 7, qu'il va broyer la terre, qu'il va dominer, qu'il va tout faire. Vous connaissez cela, non? C'est-à-dire que c'est le dernier empire. Et vous savez ce que c'est, en fait, c'est l'empire romain. Alors, ça veut dire que il va avoir l'autorité sur toute la terre entière. Parce que vous savez que vous posez la question, on va savoir, mais comment est-ce que ça pourrait être possible? Parce qu'évidemment, il y a quand même l'Union européenne, c'est pour l'Europe. Il y a l'Amérique, il y a tout ça, effectivement. C'est parce que les Américains sont toujours contre l'Union européenne, effectivement. Vous savez comment ça se bat l'Angleterre, ainsi de suite, effectivement. Donc, mais même là, on voit qu'effectivement, que les choses ne se mettent pas ensemble avec eux. Comment ils peuvent? Parce que c'est le dernier empire, c'est bien l'empire romain, vous comprenez bien. C'est romain, ça. La femme qui chevauche la bête. Vous connaissez cela, non? Et dans la mythologie, on l'appelait, donc, ça veut dire, leur symbole européen, c'était Europa. Europa sur le taureau, hein. Il y a longtemps que j'en ai parlé ici. Vous voyez, vous me regardez, frère. Vous venez pas ici pour jouer les jeux. Non, vous devez savoir que c'est pour votre salut à vous. C'est nécessaire. Alors, c'est pour ça que vous voyez que même le symbole, effectivement, 12 étoiles, vous connaissez là. En fait, vous savez. Bah, vraiment, regardez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme c'est l'Empire romain, ça a été prédit qu'elle va faire ça, qu'elle va, et puis voilà la petite corne qui s'est élevée. Vous connaissez ce que c'est, effectivement. Donc, elle va le faire, et elle va. Daniel, c'est vous dire, c'est dans la maison. Donc, effectivement, qu'elle va dominer sur toute la terre, effectivement. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ce n'est pas encore le temps, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le corona? Dirige, effectivement, c'est un test de mesure, en fait, planétaire. Regardez aujourd'hui, même dans votre village de fin fond, le monsieur porte le masque. Qui a ordonné qu'on porte le masque? Ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas les Indiens, ça vient d'ici. Maintenant, vous remarquerez très bien que, on dit bien que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir effectivement la marque de la bête. Bon, vous avez remarqué qu'effectivement, que, juste simplement parce que les gens ne comprennent pas, non, vous inquiétez pas de cela. Voyez effectivement aussi, voyez exactement ce que le Seigneur nous montre effectivement pour que nous soyons sûrs que ce qu'il a dit s'accomplira. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Le président français, qu'est-ce qu'il a dit? Mais aucun pays africain, aucun membre de pays africain ou un africain ne peut venir en Europe s'il n'a pas reçu les vaccins. Il a dit. Ah ben oui, vous dormez, mais c'est sûr et certain. Donc tous les présidents africains sont obligés de vacciner leur population. Bon, on revient en Europe. Les vaccins n'est pas obligatoire. Ah oui, bébé, on vous met la fumée parce que pour la loi. Mais regardez comment on contourne la chose. Pour que vous voyagez. Pour que vous montez dans les trains. C'est pas obligatoire, hein? Pour que vous montez dans les trains. Pour que vous puissiez manger, nanana, vous devez vous faire. Ah ben voilà. Alors, le vaccin. La Russie parle du vaccin. Et c'est tout. Donc, le monde entier parle du vaccin. Donc, tous les hommes presque sur la terre doivent être vaccinés. Et quand tu es vacciné, s'il vous plaît, on te donnera un passeport. Ouvrez vos yeux. Les gens qui disent, oh, corona, non, 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 non. Voyez ce qu'il y a derrière.
C'est ça que vous devez bien observer. Oui, monsieur. Corona. Une corona, c'est en fait pour permettre en fait de pouvoir avoir une plateforme qui teste maintenant l'obéissance des gens. Le diable, il est malin, il est rusé, il est mauvais. Oui, mais Dieu, le Seigneur veut que vous qui ne faites pas attention, mon frère, le Seigneur veut que vous, frères et sœurs, qui êtes de Dieu, que vos yeux s'ouvrent. Afin de ne pas marcher comme des gens qui ne savent pas où ils vont. Non, en fait, d'être prudent, de savoir, voici les choses qui se passent, effectivement. Quelque chose passe. Parce qu'on vous a mis la couverture, corona, mais en fait, derrière cela, ça pousse les gens à ce que l'autorité de la bête se manifeste encore pour maintenant obliger les gens. Maintenant, tout le monde doit être vacciné. Même si les pays, les lois disent qu'on ne peut pas, effectivement, c'est non, on trouve les moyens. Bon, vous ne voulez pas, parce que votre pays dit que vous ne voulez pas, ok, vous ne pourrez pas venir en Europe, vous ne pouvez rien faire, effectivement. Et comme les Africains trouvent que l'Europe, c'est du sucre, ah bon, on te prive du sucre. Tu dois tout faire pour pouvoir avoir le sucre. Eh bien, tu vas te faire injecter. Donc, ce qui veut dire que, par ces moyens-là, c'est aussi contrôle de masse. Vous n'avez pas remarqué aussi? Enfin, je ne sais pas qui vont me dire. On vous fait vacciner où? Dans des centres de vaccination. Monsieur Jean Bosco, vacciné, tel, tel, madame, nanana, vacciné, tel. Et non seulement cela. Vous dites au téléphone, non? Ils ont dit, oh, c'est simple, pousser bouton pour alerte corona. Maintenant, on te surveille bien. Quand ta température commence à pouvoir faire, on va savoir, il est passé chez Jean Gabin. Il est passé chez Jean Bosco. Et Jean Bosco, comment on peut l'avoir, son nom? Donc, tout ce que vous faites devient bien cerné. Donc, on saura que toi, tu n'es pas dans notre association, donc tu n'es pas d'accord avec la petite corne. Donc, tu vas l'acheter où? Il faut arriver à pouvoir d'abord prouver. Tu veux voyager, prendre l'avion? Passeport de vaccination. Or, légalement, ce n'est pas obligatoire. Mais regardez bien. Parce que si aujourd'hui le peuple dit, nous ne voulons pas de vaccin, tout le monde... Je ne dis pas révolution. Tout le monde... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les bouteilles? Ils sont là, millions. Moi, millions, je ne touche pas. Et on va faire quoi avec? Ça va rester en frigo. On va s'y plier, faites. Mais quand on voit maintenant avec tout ce qu'il y a, parce que maintenant vous voyez très bien, regarde, madame, qu'est-ce qui se passe? À 22h, vous êtes à la maison. Oui? Ta maman, tu ne peux pas aller la voir. Maman, pour ton amour, pour l'amour que j'ai pour toi, depuis quand que tu aimes, tu veux montrer à ta maman que puisque tu l'aimes, tu ne vas pas le voir? Quelqu'un qu'on aime, on veut le voir tout le temps, non? Même pour l'amour de ma mère, je ne vais pas le voir, effectivement. Mais on te l'a dit. On dit, mais ah, ça passe, c'est sûr et certain. C'est ça que vous devez arriver à pouvoir voir, sans penser, effectivement, non. Le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et quand il fait quelque chose spirituellement, nous devons savoir qu'est-ce qu'il vise et de quelle manière, effectivement, les choses vont se mettre en place. C'est le moment où on peut voir, effectivement, que les décors, se met déjà en place. Et si le décor se met en place, quelle heure nous sommes? Quelle heure est-il? C'est nous qui devons effectivement aussi être conscients. Et nous savons très bien que ce n'est pas aujourd'hui avec le corona qui va venir, mais nous savons qu'il revient et qu'il est à la porte. Est-ce que vous comprenez? La différence de notre façon de voir par rapport à eux est différente. Nous savons qu'il va venir parce qu'on voit les Écritures, pas le corona qu'on voit. Mais on voit les Écritures qui sont vraies parce qu'ils ont annoncé et on voit les décors. C'est quand vous voyez ça, le diable tremble. Il dit ce peuple, mais c'est pour ça frère qu'il a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce n'est pas aller dans les Écritures pour dire ah, il y a eu 180 morts, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui se passe ici?
Pourquoi cela arrive? Pourquoi cela arrive? Effectivement, regardez très bien. Quand les mages ont levé les yeux vers le ciel, tout le monde pouvait lever les yeux et voir les étoiles, mais ils ont vu cette étoile. Pour les autres, ils disaient, une grande étoile. Parce que vous savez que quand cette étoile monte, effectivement, la marée monte. Ah, la marée va monter, la marée va monter. Oui, oui, bien sûr, c'est la lune et tout ça, mais tout ça, vous connaissez, non? Mais eux, quand ils ont vu ça, ils disent, Jacob a dit, mais une étoile est sortie de David. Oui, bien sûr, il dit, mais voici les temps. Eux, ils ont vu différemment les choses. Les hommes ont vu différemment les choses. Donc, il faut bien faire très attention à la manière dont on regarde les choses et comment, effectivement, aussi, les choses doivent être observées. Alors, comme je disais, on va terminer par là. On dit dans Jean chapitre 17. Pour voir comment le Seigneur a aimé réellement son peuple quand on disait effectivement que puisqu'il m'aime, puisqu'il je le glorifie, quand le mot effectivement disait je le glorifie, nous avons vu cela dans le livre de Romains, mais regardez dans le livre de Jean parce qu'il a dit mais je t'ai glorifié, glorifie moi aussi de la gloire que j'avais auprès de toi quand tu es sur la terre. Maintenant regardez très bien dans cela aussi, dans le chapitre 17 de Jean, comment il place effectivement les choses qui sont tout à fait touchantes même pour nous-mêmes. Regardez. Il dit bien, regardez bien, il dit, et ça c'est merveilleux frère et sœur, et verset 4 il dit, mais j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, vous comprenez, avant que le monde fût, donc nous étions à lui n'est-ce pas, et puis il dit, j'ai fait connaître ton nom, toujours les noms frère. C'est pour ça que nous battons, c'est que ce que Dieu a fait dans notre âme, notre vie, c'est que c'est important. Nous n'avons pas à pouvoir élever un autre nom. Non, c'est important cela que vous comprenez. Dieu ne veut que son nom soit connu. C'est pas mon nom à moi d'être connu, parce que qu'est-ce que je suis moi-même si je fais des miracles, je fais bouger les temples, frères et sœurs, c'est pas mon nom qui est important. Parce que c'est pas parce qu'on fait les miracles qu'on sauve les gens. Moi, je ne peux pas sauver quelqu'un. Mais je peux prier pour les malades, ils seront guéris. Mais celui qui guérit vraiment, c'est le Seigneur. Celui qui sauve vraiment, c'est le Seigneur. Donc pas un prophète. Donc on doit connaître les noms de celui qui sauve réellement. De celui qui a payé. Dieu veut qu'on le connaisse. Il ne veut pas qu'on connaisse quelqu'un d'autre. Non. Si on doit me connaître, c'est par lui. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours aimé cette parole, effectivement, de Jean le Baptiste. Il dit que il faut que je diminue. Amen. Et que lui puisse augmenter, qu'il soit élevé davantage. Et ce qu'il a dit. Si vous connaissez Jean le Baptiste, effectivement, dit, mais maître, dit, mais l'autre l'a dit, non, moi je dois diminuer, que lui puisse davantage augmenter, effectivement. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Nous avons toujours, vous savez, quand je lis ça, mon âme, je dis, cela montre effectivement que quand on est un élu de Dieu, on ne vit plus pour autre chose. Et ça, je le répète, peut-être que c'est, les gens vous disent, mais il est bon. Je le répète, frères et sœurs, il n'y a aucune chose qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Les mariages en dessous, le travail en dessous, l'argent en dessous. Si vous arrivez à comprendre ça, frère, c'est qu'il y a quelque chose en vous. Mais l'amour de la parole de Dieu, effectivement, quand l'amour de Dieu, la parole de Dieu vous brûle dans votre cœur, vous verrez comment l'Esprit du Seigneur va agir en vous. On est selfish, c'est-à-dire qu'on est vraiment toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de l'égoïsme en nous. L'amour de Dieu te pousse à ouvrir les mains à l'endroit de chaque frère. On te voit quand tu viens, on te voit l'amour qui t'accompagne. Il n'y a pas un frère à l'endroit d'un frère, on ne sait, mais il n'y a pas que moi de mon côté. Non! Vous savez, il dit, mais nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes, mon frère et ma soeur. Autrement, vous écoutez cette parole, effectivement, et ce sera une parole de jugement, vous ne verrez pas la face de Dieu. Il faut accepter de voir mourir davantage en soi-même. Frère, on ne vit plus pour nous-mêmes, pour l'amour de Dieu, je ne sais pas comment le dire. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour le Seigneur et pour les autres. Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec un frère ou une soeur. Qu'un frère ait des problèmes avec moi, c'est son problème. Mais moi, non.
Moi non, moi non. Sinon, je ne suis pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi non. Si je suis né de nouveau, les choses ont changé. La considération qu'il me déteste, qu'il ne m'aime pas, je ne vais pas avoir de soucis dans mon cœur à son endroit. Seulement prier pour lui. C'est tout. Ça, c'est quelque chose. Frères et sœurs, il n'y aura pas autre chose dans ma vie qui pourra tellement réjouir mon cœur ou même à ma pensée, ce n'est que Jésus lui-même. Parce que je le connais, il me connaît, et sa parole, je viens à l'assemblée, pourquoi? Parce que je vais l'écouter encore davantage. Et c'est lui qui m'a dit, tu aimeras ton proche, tu aimeras ton frère, tu aimeras ta soeur, finalement, tu les aimeras, et tu aimeras de ton cœur. Tu aimeras de tout ton cœur. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, je sais pas. Alors, il dit, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu. C'est ça, hein? Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, j'ai toujours, rien va pouvoir le répéter encore, je le répète encore, arrêtez d'élever William Marion Branham. Amen. Arrêtez d'être nourri par les mauvais esprits. C'est un mauvais esprit de fanatisme. Le prophète a fait, le prophète a dit, effectivement. J'ai beaucoup d'amour et de respect à l'endroit de cet homme de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Mais en fait, il faut que nous sachions d'abord, effectivement, qu'un serviteur de Dieu doit être honoré et respecté au niveau du serviteur. Mais quand on est dans l'église, ce n'est pas d'un homme de Dieu qu'on parle. Non, on parle de Dieu qui a fait l'homme un serviteur. C'est lui que nous devons élever. Vous savez, frère, j'ai lisé l'autre fois, j'étais en train de méditer, j'ai vu une écriture, j'ai dit, Seigneur, je comprends. C'est quand même... Non, vous savez, c'est branhamiste, effectivement. Ils ne se rendent pas compte. Mais c'est... Que Dieu ait pitié. Parce qu'en fait, ils ont apporté l'opprobre. Oui, monsieur. Vous vous rendez pas compte, frère. Vous vous rendez pas compte. Je ne sais pas pourquoi je reviens tout là-dessus, mais vous vous rendez pas compte, peu importe. Mais vous vous rendez pas compte, frère, que l'esprit, là, c'est un esprit qui est diabolique pour empêcher les gens à pouvoir s'approcher pour écouter la parole de Dieu, en fait. C'est démoniaque, effectivement, c'est diabolique, détruisant, effectivement. Mais bien sûr, parce que dans ces temps, Dieu nous a parlé. Mais Dieu nous a parlé par qui? C'est ça le problème, hein? Parce que les gens confondent. Ah, oh, les prophètes est venu. Non. On nous a dit ceci, frère, parce que vous savez ce que vous dites, mais à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces temps-ci, Dieu nous a parlé par le Fils. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Il faut que nous puissions comprendre les choses de la bonne manière. Frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, sortez de l'esclavage. Regardez une chose, petit bizarre. Oui, mais, si ça, là, s'il ne croit pas, ce que le prophète a dit, il n'y aura pas d'enlèvement. Frères et sœurs, la condition de l'enlèvement n'est pas le prophète. Parce que pour que tu sois enlèvement, il faut avoir été en Christ. La seule condition, c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, je suis amoureux de la parole de Dieu. Je suis obéissant à la parole. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, ma soeur. On a pris les choses à l'envers. On a tourné les choses comme il veut les tourner, effectivement. Or, le Seigneur, notre Dieu, a voulu nous montrer qu'on doit être conforme aux Saintes Écritures. Pas aux pensées, pas aux hommes, effectivement, ainsi de suite. C'est quand même nécessaire que nous puissions être enseignés dans ces choses, en fait que nous marchions comme cela se doit. Frères et sœurs, si toutes ces choses ne sont pas en vous, comme l'apôtre Pierre l'a dit, vous connaissez, non? L'abérance, l'amour, et pas la firme de l'amour fraternel. L'amour fraternel, à la fois jeter ceci, vous connaissez cela, non? De Pierre, chapitre 1.
forme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui ont trébé à la piété, à la meilleure moyenne. C'est celui qui nous a donc appelés. Vous connaissez, non? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et ceci et cela. Et puis on arrive à la mot fraternel. N'oubliez jamais cela. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. Ah oui. Dans la faction de Dieu. N'oubliez pas cela, mon frère. C'est ce que le diable veut, c'est de nous détacher, frère. Être avec ses frères, les aimer, avoir le temps de passer avec eux, frère, sans les juger. Dieu ne m'a pas envoyé de juger un frère ou une sœur, non. Les jugements appartiennent à Dieu. Mais ce que Dieu m'a envoyé, moi, c'est de pouvoir aimer, les servir. Ah. C'est tout ce que je sais de ce que je dois faire. Mais pas aller juger un frère ou juger une sœur. Mais si toi, tu es toujours en train de juger la sœur, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, effectivement, oublie le ciel dans la direction de l'élection, parce que tu n'y es pas. Le même jugement que tu apportes sur la sœur, c'est aussi le même jugement que Dieu va t'apporter. Vous voulez que je vous montre quelque chose dans les Saintes Écritures? C'est pour ça que les gens me prennent pour un naïf. Je suis naïf, il n'y a pas de problème. Je préfère être naïf, qu'on puisse me donner un naïf. Et oui, que de pouvoir regarder quelqu'un, porter des jugements, il a fait ça parce que ceci. J'ai dit, les soupçons, c'est la source mauvaise et immonde. C'est vraiment Satan lui-même. Oui, quelqu'un qui a toujours, tu regardes, oui, il a fait ceci. Et puis, frères et sœurs, nous devons apprendre la manière de Dieu d'agir, de faire les choses. Satan cherchera toujours à quoi? À semer les problèmes entre le frère et les sœurs. Quand il s'est divisé, il va commencer à voir mettre son démon dans la personne. Oh, tu sais, il pense de toi comme ça. L'autre aussi, il pense moi. D'ailleurs, je vais lui montrer qu'il ne vaut rien pour moi. Mais tu es possédé toi-même. Satan t'a dominé. Vous savez, la grandeur. La grandeur, c'est qu'il se rend petit. Vous savez comment vaincre les démons? Vous savez, le Seigneur a dit, mais regardez celui qui est en face de toi comme étant plus au-dessus de toi. Mais si je dis, moi, je vais lui montrer, je vais lui faire ceci, tu n'es pas encore converti, il faut venir, frère, prie pour ma délivrance parce que j'ai un démon d'orgueil. Orgueil caché que je couvre avec les paraphrases, c'est ça le problème. Et frère, un fils de Dieu doit être vrai. Amen. Quand tu dois combattre Satan, il faut lui montrer que je sais qui tu es. Tu m'as trompé avec moi, je me suis combattu avec mes frères et sœurs pour rien. Non, arrière de moi, Satan. Maintenant, c'est toi qui m'as dit là. Bon, je vais vous faire rire. Que mon bébé qui est là ne te fâche pas, hein, chérie. C'est avec Solomon. Et alors, j'étais chez Solomon, il était avec sa maman et son papa, nous étions là. Et puis, à ce moment, vous savez, comme il aime bien, il dit chez son grand-père, il vient là, et puis Solomon, il dit, oh, attends, comment ça, il a parlé en disant, ah, papy, oh, canaillon, c'est une expression comme ça, il a utilisé. Alors, il connaît quand même son grand-père. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire passer. Alors, quand il a regardé ce papy, il a dit, canaillou, puis il a senti tout le monde dans la pièce. Et sa maman, et sa mamie, et son papa, tout le monde est devenu silencieux. Et puis il a regardé son grand-père. Son grand-père l'a regardé. Et puis il dit, papi. Il dit, quoi, chou? C'est pas moi. C'est maman qui m'appelle canaillou. C'est toi. Papi, c'est toi, hein, maman. Et dit, papi, que tu m'appelles canaillou. Hein? C'est pas moi, hein, papi, tu vois. Pas moi, comme je veux dire, pas moi. J'ai dit, je regardais simplement. Pas moi, hein, papi. Non, j'ai pas dit, tu vois, elle. Hein? Dit à papi, que tu m'appelles moi canaillou. C'est pour ça que j'ai dit canaillou. Voyez-vous, c'est parce que un fils de Dieu, quand il voit que l'ennemi veut, il dit, oh non, moi ça c'est pas moi, c'est toi qui es venu me mettre la haine de mon frère, arrière de moi. Oui monsieur, moi j'aime mon frère, c'est toi qui es venu me mettre ça à moi. Ah non. Oui mon frère, oui ma soeur, que l'amour revienne. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, peu importe l'état dans lequel il peut se trouver. Je suis là pour aider, pas pour tuer, mais qu'il vive. Alors là, nous avons la victoire. Alléluia. Que l'amour revienne, mon frère.
que la sincérité revienne. Il a dit, aimez-vous ardemment. Frère, ne diminuons pas dans l'amour, frère, mais que l'amour augmente davantage. C'est là notre victoire. À ceci, tout ce qu'on détruit, que vous êtes mes disciples. Nous sommes ses disciples. Et nous devons prouver à Satan que ton travail de semer de la haine, c'est terminé. Je prierai pour mon frère. Je prierai pour ma soeur. Parce que si il me déteste, c'est parce que toi, tu as semé la mauvaise semence. Si cet ivré-là est ôté, il m'aimera. Mais comme moi, je n'ai plus l'ivré, je suis censé pouvoir prier pour lui et l'aimer. C'est ça, mon frère. Que nul en son cœur ne pense du mal contre. Et surtout les soupçons, ça, c'est la casserole de Satan. Ah oui, il vous fait des potoches là, et comme ça, il dit, tu vois, il a fait ça parce qu'il ne veut pas te suivre, il ne peut pas croire en toi. Il dit, tu vois, il pense du mal de toi. Frères et sœurs, ne rentrez pas dans ces jeux-là. Montre-lui que vous êtes plus intelligent, que vous avez la sagesse. Quand la pensée mauvaise vient, dit, aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit, moi, mon cœur à moi, il est pur. Je dis, je veux, il dit, le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais garder mon cœur à moi pur. Il ne veut pas de moi, c'est son droit. Il pense pas du mal de moi, il pense du mal de moi, c'est son droit. Moi, mon droit, c'est de l'aimer. Quand il a besoin de moi, je vais aider. S'il m'insulte, je réponds bien. Est-ce que vous suivez? Nous terminons vite pour partir parce que je ne vais pas vous retenir parce qu'il y en a de ceux qui sont venus de loin, ils doivent rentrer. Supportez-moi un tout petit peu, je cours vite en lisant. Je vais arriver quelque part. Et ils sont que je te dis, c'est pour eux que je prie. Vous voyez l'amour de sa prière. Jean 17 a toujours été un chapitre versé, frère. Je crois que vous l'aimez comme moi aussi. J'ai toujours dit, cette prière, c'est une. Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Mais ça, c'est déjà exaucé. C'est pour ça que je danse toujours, j'ai dit, que Dieu te bénisse. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis heureux. Frère, sœur, dit Satan peut dire, ils seront jamais un, mais ce n'est pas ton problème. Tu as déjà prié. Toi, tu dis, puisqu'il a prié, puisqu'il a dit, ça sera. D'ailleurs, l'unité existe déjà. Voilà. On n'en a pas même pas prié, ça existe déjà. Donc, c'est à moi d'entrer. Il a dit, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes. Donc l'unité est là. Je rentre dans l'unité. Il n'y a aucun esprit qui peut faire échouer la parole de Dieu. Dieu nous a donné déjà les choses pour que nous puissions être sûrs que nous ne pourrons pas faillir dans ce domaine-là. L'élection ne pourra pas échouer. L'élection va réussir. Ah oui, parce qu'il nous a prédestinés à être irréprochables. Répréhensible, saint, sans tâche, frère. S'il a dit ce que je le suis déjà, c'est écrit, non? Éphésiens chapitre 1. Prédestiné. Ben, nous continuons rapidement. C'est pour eux que j'ai prié. J'ai prié, j'ai vu vite. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez la sélection? Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont reçu la parole. Je veille sur ma parole. Que Dieu te bénisse, ma grande crainte. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. C'est ce que Dieu fait. Mais quand toi, maintenant, tu reçois cette parole, tu en es conscient que j'aime la parole, je veux m'asseoir, je veux écouter, même s'il faut faire 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures, pour autant que ce soit la parole de Dieu, je l'écouterai. Ça rentre dans mon âme parce que je veux que ça rentre. Pour que quand je sors ici et que j'avance, les démons tremblent. Parce que je suis toujours un peu le monde là, un peu les démons quand ils me voient, oh, je suis là, et puis de toute façon, et je le connais, il est de notre obédience. Mais quand je sors maintenant, je dis, oh, ils étaient de notre obédience. Il dit, mais on voit un gaillard avec. Ah ben oui, parce que tu as pris la décision. La bonne, il dit, mais terminé. C'est fini la collaboration. Elle est terminée. Fini. Maintenant, je prends le dessus. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur les démons. Pas les démons pour pouvoir te dominer, mais à toi de dominer les démons. Voilà, que Dieu soit béni. Nous continuons rapidement, vite. Alors il dit, mais, et tout ce qui, verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié, où c'est? Vous voyez bien? Glorifié en eux. Ce sont tous ceux-là qui étaient à toi et tu me les as donnés. Vous voyez comment? Ce n'est pas n'importe qui, mais je ne prie pas pour le monde.
Il dit, je suis glorifié en cela que tu as connu d'avance. Nous continuons, regardez très bien. Il dit, oui, glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en quoi? Au nom d'un prophète? Non. Non, monsieur. Vous voyez combien le nom est très, très important. Voilà pourquoi Satan fait tout ce qu'il fait pour que le nom soit bafoué. Parce qu'il dit, c'est-à-dire, mais en mon nom, ils chasseront les démons. Donc son nom est tellement puissant qu'il fait même ressusciter les morts. Oui, bien sûr, monsieur. Donc, son nom a la puissance de pouvoir vraiment agir davantage dans les uns comme les autres, et qui transforment effectivement. Alors, nous continuons rapidement. Il dit, lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de prédiction, en fait, que l'écriture fut à... Voilà. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est pour ça que nous devons être heureux, parce qu'il nous a fait déjà savoir ce qui va se passer, pourquoi il a prié pour nous. Ce que cela ne veut pas échouer, hein. Ma joie soit parfaite, effectivement, en eux. Donc, je leur ai donné ta parole, vous suivez? Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est pour ça, sœurs, frères, nous tous aussi, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. L'habillement, c'est pour couvrir le corps. Ne trouvons pas les prétextes de pouvoir faire les choses pour ressembler aux gens du monde. Ça ne sert à rien. Habillons-nous pour qu'on soit propre. Dieu n'a pas dit soyez dans les sacs. Mais non, habillons-nous proprement, mais ne nous habillons pas pour qu'on puisse impressionner. Ça n'est, tu veux impressionner qui? Nous sommes tous des gens qui ne sont pas des riches. Ce sont les gens qui se disent noblesse. Et quand je vais mettre ma veste avec les renards sous les étoiles, les épaules, et l'autre va mettre avec l'ours, il dit moi je viens avec les léopards. Ça nous sert à quoi, nous? Ceux qui peuvent se battre pour les léopards. Nous, moi, que si je porte la peau de léopard, ça va me faire quoi? Et puis, je ne chercherai pas à être comme un léopard, quand même. Vous voyez qu'un être humain dans la peau d'un léopard, hein, vous comprenez? Enfin, bref, bon, c'est simplement pour illustrer la chose, pour comprendre. Ne vous fatiguez pas, je termine ça, puis on va prier. Vous rentrez vite à la maison. Donc, c'est pour que nous comprenions que nous devons avoir une conception des choses différemment. Et d'ailleurs, quand vous faites les choses, si vous êtes enfant de Dieu, quand vous faites effectivement pour impressionner, vous ne serez pas bien à l'église. Hein? Vous serez toujours, hey, alléluia, ah, ma chaussure va un peu se tourner. Parce que, non, mets-toi les chaussures, alléluia, même si tu tapes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es trop pimpin, alléluia, oh, avant tu voyais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que sinon ça va se déchirer, si j'ai fait comme ça. C'est un exemple que je donne. La liberté en Christ. Se sentir libre, je m'habille et je dois louer Dieu, même si c'est des beaux vêtements, mais quand même, je dois être libre. Pas sentir effectivement qu'il faut quand même que je sois. Je cours vite. Alors, il dit, verset 10, et maintenant je vais dire des choses du monde. Il dit, mais voilà, je vais revenir. Je ne te prie pas, vous ne te priez pas de les ôter, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas non plus du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Vous voyez, frère, notre sanctification ne peut pas manquer. Ah non, 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 je ne vais pas. Ah, Seigneur, je dois être saint. Parce que le diable me dit que je ne peux pas être saint. Non, le diable se trompe. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je me laisse tondre. Oui, la sanctification vient de toi. Il a déjà prié pour cela. Toi, fais simplement ce qu'il t'a demandé de pouvoir faire. Écoute la vérité et il te sanctifie. Il va dire, oh, tu ne peux pas être saint. Mais non, je le suis parce qu'il a déjà dit. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas combattre les diables avec votre logique. Vous pouvez les combattre avec la parole. Amen. Il a dit au Seigneur, il est écrit. Il se dit, mais il est aussi. Amen. Il est aussi écrit. Amen. Alors, soyez aussi comme cela. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Dieu a dit dans les Saintes Écritures. Et voilà. Vous savez, c'est quand même... Alors, nous continuons ici au verset sur le livre. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, voilà comment nous associons maintenant avec autant d'amour. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient
sanctifié par la vérité. Vous voyez, ça ne peut pas échouer parce qu'il a fait cela déjà pour nous, pour que nous soyons sanctifiés. Et l'obéissance de la vérité, frères et sœurs, Dieu l'a déjà implémenté chez nous. Et dans nos cœurs, un fils de Dieu ne peut pas combattre la vérité. Parce qu'il est écrit dans Thessaloniciens chapitre 2, mais pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé quoi? Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais toi, ce n'est pas vers les fables que toi tu es censé pouvoir se tourner. Tu cherches toujours quoi? La vérité, parce qu'elle est au-dedans de toi. Nous continuons. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore que Dieu te bénisse, ma sœur, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez que nous devons toujours entendre la parole que les apôtres ont prêchée. Vous entendez, non? Et c'est par là que nous connaissons que... C'est pour ça que nous devons rester toujours dans les saintes écritures, avec l'Esprit du Seigneur, nous conduisons toujours, nous apportant la parole de la vérité, pas des interprétations. Mais la vérité, effectivement, et quand nous croyons en cette vérité, nous allons expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Tout ce qui est écrit dans les saintes écritures, les dons, nous les avons aussi. Parce que c'est comme ça que les autres nous ont eu aussi. Je cours. Il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un à nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Maintenant, regardez le verset 22. Et ça, c'est quand même frappant. Il dit, je leur ai donné quoi? C'était quand même extraordinaire. Oui, mais parce que Dieu ne peut pas donner la gloire à quelqu'un. Est-ce que vous suivez? C'est écrit là, non? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez, frères et sœurs, que l'Écriture dit que, enfin, comme la Bible le fait voir, effectivement, que Dieu était en Christ. C'est-à-dire que Dieu s'est déversé totalement et pleinement aussi. Mais Christ s'est déversé où? Oui, Christ s'est déversé dans son Église. Alors, vous voyez comment le chose se présente en réalité. Parce que quand on parle de l'élection des élus, comme le Saint-Esprit dit, etc., ce n'est pas quelque chose d'autre qui peut sortir parce que l'élection et l'élu qui doit être manifesté, c'est en fait Dieu lui-même. Est-ce que vous suivez? Oui, messieurs. Oui, madame. C'est ça, en fait, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'élection n'échouera jamais? Parce qu'en fait, c'est Dieu lui-même. Quand on dit Dieu lui-même, voyez-vous, frères et sœurs, je vais encore vous montrer encore cela. Regardez très bien. Le Seigneur Jésus qui s'est prié en disant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Et toi, tu me les as donnés. Tout ce qui était à lui, en fait, c'est ce qu'il était. C'était à toi. En fait, nous sommes en fait les attributs de Dieu. Et quand on dit les attributs de Dieu, nous sommes vraiment une partie. Partie de Dieu. Oui, messieurs. Et ça qu'il faut que... On doit comprendre cela de la bonne manière, effectivement, que quand on dit que nous sommes une partie... Je parle bien des élus, hein. Que nous sommes une partie de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu est Dieu, nous aussi, nous sommes comme Dieu est. Maintenant, c'est là que vous devez vous voir. Si Dieu est vraiment sa parole, alors, et que vous, vous soyez la parole de Dieu, frère, est-ce que ce sera difficile pour toi d'aimer ton frère ardemment? Ce sera difficile pour toi de ne pas avoir des soupçons? Parce que aussi longtemps que tu as encore des soupçons et des mauvaises pensées, soupçons contre ton frère et contre ta sœur, tu n'es pas encore arrivé. En fait, c'est un travail qui se fait simplement de l'action du Saint-Esprit. Et oui, comme la justification est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient, qui entre dans la personne. Là, c'est différent. Alors, si Dieu entre en toi, mon frère et ma sœur,
ben, tu n'es plus une personne charnelle. Voilà le grand problème que nous avons. Nous crions, nous chantons, nous disons que nous sommes dans l'esprit. Je termine, ma soeur, mon frère. D'abord, je ferme la Bible rouge pour que tu vois écrit. Je ferme, parce que le cœur commence à palpiter. Je ne vais pas rester longtemps. Je termine ici. Si nous avons en nous, effectivement, encore des sentiments tout à fait aussi charnels, de combat charnel, c'est que nous devons nous dire quelque part que nous ne pouvons pas faire mentir les saintes Écritures. Parce que Dieu est vraiment amour. Oui, monsieur, je vais vous le montrer encore dans les saintes Écritures. Afin que vous compreniez, frères et sœurs, qu'aussi longtemps que vous nourrissez les démons qui sont accrochés à vous, eh bien, ils vont s'accrocher davantage parce qu'ils ont de la nourriture. Mais le Seigneur a dit à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une nourriture. Il a dit, ma chair, la parole de Dieu a été faite chez ma chair, est une nourriture. Donc ça dépend de celui qui tu nourris. Si tu nourris effectivement l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu, alors tu seras beaucoup plus fort. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tel il est, tel... Mais aussi longtemps qu'il y a toujours des mauvaises pensées, et moi j'ai pensé, et il est fait, et il a fait ceci, il a fait ceci, vous êtes encore toujours sous la proie en fait de l'ennemi, en fait, en réalité. Vous ne pouvez pas prétendre qu'effectivement que nous sommes des dieux. Non, monsieur, c'est comme le vautour qui dit « Je suis un aigle ». Et effectivement, pour cela. Or, notre désir, comme l'apôtre Paul dit, je termine. L'apôtre Paul peut dire, il dit effectivement, de la même manière que nous avons porté les marges de Thérèse, nous avons besoin de l'année céleste. Il dit, mais nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en quoi? En la parole, bien sûr, de Dieu. C'est pour ça que nous recevons la sémence. Ceci, c'est la sémence divine, pure de Dieu, pour faire en sorte que nous aussi, nous puissions naître par l'homme. Quand on est de nouveau, on n'est pas né Dieu par les cendres, on n'est pas né de Dieu par les hommes, mais on est né de Dieu par la volonté de Dieu. Nous avons été engendrés par... Oui, dans Jacques, c'est écrit. Bien sûr que oui. Dans la parole de Dieu, effectivement, alors les choses changent. Alors, je termine par ceci pour vous montrer que, effectivement, votre attention, ma soeur et mon frère, parce que ne sortez pas comme ça pour continuer à nourrir Satan et ses démons. Et puis, ah, frère, ça ne va pas du tout, et ceci et cela, parce que tu as nourri quelque chose quelque part. C'est important, ça, oui. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir faire des va-et-vient ici pour que simplement tu sors et bien que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté, et puis tu aurais fait toujours, ah, frère. Non. Tu dois comprendre que tu as la victoire. Amen. Que je suis un fils de Dieu, je ne peux pas voter dans les saletés en fait. J'ai voté pas toujours dans les saletés, mais maintenant c'est terminé. Quand tu dis ça, Satan s'en va. Parce que tu lui montres que tu es propriétaire. Il était là, il était gardé comme un locataire. Il dit, mais si chez moi tu loues. Non, je vis les livrets. Cette parcelle est à mon père, moi je suis l'héritier. Ah oui, sortez, parce que c'est cela. Aussi longtemps que c'est pas que cette parcelle est à toi. On va te faire louer les maisons, tout ça, alors que ce sont tes maisons à toi. Mais le jour où va tomber sur, oh, mon fils, Julia, cette maison que tu vois avec des chambres immenses, ici, voilà, rue Ventol 14, dans la commune de Ventout. C'est à toi. Et puis tu habites dans rue Ventol, dans la commune 14. C'est toi où tu es quoi, tu souffres pour payer les loyers. Il dit, hé, les livrets avec des cachets, tout ça. Tu t'élèveras. Il dit, monsieur, viens un peu. Depuis combien de temps tu es propriétaire de cette maison? Comment ça, tu peux dire? Non, je demande. Il sent l'autorité, il dit, oh, c'est comme s'il sait quelque chose. Parce que lui, il savait que tu étais le fils du monsieur qui était là. Mais c'est les voisins, ils ont occupé ta maison. Et comme tu étais ignorant, dis, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Dis non, je pose la question. Depuis quand? Satan, quand tu parles avec ton pied, Satan, depuis quand tu es propriétaire d'ici? Et
Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Je dis, non, 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 non. Dis-moi la vérité. Et je suis propriétaire, puis mon père m'a dit, je dis, montre-moi les livrets. Livret, livret, livret. Et puis d'ailleurs, nous habitons ici. J'ai dit, oui, vous habitez ici au coin. Mais il dit, comment tu dis, oui, oui, c'est mon papa. Il dit, écoute, voici les livrets. Il dit, ah bon, je dis, mais qu'est-ce qui était qui là-dedans? Julia. Propriétaire de quoi? D'ici, sortez. Amen. Mais frère et soeur, mais il va sortir. Amen. Parce que tu as l'autorité. Bien sûr, il ne faut pas dire, oh, comment ça... Non, 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 je sais maintenant, je suis un fils de Dieu. Amen. Même si je patauge, effectivement, je ne savais pas. Frère, moi, je patauge les saletés, je ne savais pas qui j'étais. Mais un jour, quand il a parlé, alléluia, j'ai dit, Satan, c'est terminé. Amen. Eh oui, monsieur. Amen. Eh oui, monsieur. Il ne faut pas continuer à nourrir ces choses-là. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Mais dis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu as la domination. Amen. Jamais la queue, toujours la tête. Amen. C'est écrit, non? Ton champ sera béni, ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis, tout ce que tu as sera donc béni d'Éternel. 28, partie du verset 1. Je suis au verset 14, je pense. Parce qu'il ne faut pas descendre plus bas, parce qu'il y a la sainte malédiction. Vous restez plus haut. Oh oui, quand vous lisez, vous voyez que, oh, si tu désobéis, non, 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 non. C'est reste à l'obéissance ici. Pour que, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on vérifie, hein, si c'est verset 14, parce qu'il ne faut pas descendre plus bas. N'ayez pas plus bas, soyez toujours plus haut. Seigneur, j'ai lu ça, et puis j'ai lu un chapitre, verset, puis on prie, hein. Deutéronome, Deutéronome. Ah oui, frère, nous voulons que notre Dieu soit avec nous. Pas autre chose, nous le désirons tellement de tout notre cœur. Oh là 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 là. Deutéronome, chapitre 28, et puis nous allons vite, et puis nous allons laisser partir. Ah, et Dieu est bon. Évidemment, c'était 14 piles. Parce que 15, il dit, et, mais si tu n'obéis, point. Ah, ah. Nous sommes de 1 à 14. Amen. Dieu est bon. Il est vraiment merveilleux. Il nous aime. Il dit, vous arrêtez-vous à 14. Et puis on vérifie. Eh bien, c'est là. Parce que 15, ça change la version. Parce que... Et parce que 13, il dit, l'Éternel te fera toujours la tête, la tête. Mais 15, là, dit Seigneur, je m'accroche à 1 jusqu'à 14. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai lu un autre verset et puis nous levons pour prier, pour que vous puissiez voir effectivement que c'est nécessaire d'aimer ton frère, de pardonner ton frère, de supporter ton frère, sans penser du mal tout le temps. Oui, il a fait, il a dit, il fait ça contre moi, il fait ça. Peu importe qu'il fasse ça contre toi ou contre qui, Dieu est le seul juge. Amen. Il ne m'aime pas, c'est normal, il a dit lui-même que non, parce que j'ai donné la parole, le monde les a haïs. Donc si tu n'es pas aimé, c'est parce que tu es aimé. Si longtemps que tu ne cherches pas des problèmes, genre quand même, hein. Pas dire, oh, tu es là-bas, tu as créé des problèmes, dire, ah, Seigneur, moi ici, c'est parce que je t'aime que j'ai des problèmes. Non, tu es la source de problèmes, arrange ton problème, parce que tu l'as. Mais quand tu n'as rien fait, glorifie Dieu. Alors disons à Matthieu au chapitre 5, que vous puissiez comprendre. Matthieu, et puis nous terminons là, et puis nous prions. Ah. Et je vais lire avec vous, Matthieu chapitre 5, il dit, ah, donc je vais prendre dans votre Bible ici, ah. Écoutez bien, regardez bien. Matthieu chapitre 5, je vais lire avec vous dans votre version ici. Voilà. Matthieu chapitre 5, il dit, voyons donc, verset 1, voyons donc la foule. Là. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, et il enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à... Voilà. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux le débonneur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, verset 7, prêtez attention. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront... Mais si toi, tu n'es pas miséricordieux à l'endroit de ton frère, toi, c'est pas moi, la Bible dit, hein. Tu peux oublier la miséricorde de Dieu. Oui. Hey, le frère, il a fait, ma soeur, il a fait, moi, en tout cas, je ne sais pas, si, en tout cas, moi, je pardonnais. Mais en fait, c'est toujours là.
miséricorde, c'est-à-dire que frère, que tu n'aies même pas un problème avec un frère. Amen. Même une sœur. Ce ne soit pas dit, c'est à cause de toi, c'est à cause d'elle, effectivement, que ma vie a commencé à pouvoir tourner en rond. Ne sois jamais, mais bien sûr que oui. Ne sois jamais responsable de quelqu'un qui, que de, à cause de toi, la personne a des problèmes. Ou la personne, parce que tu seras toujours entaché, cette situation-là, dit, ah, moi, c'est, mais j'ai dit, mais pourquoi t'es, mais, ah, vous savez. Vous savez quoi, c'est. Et toute la vie, la personne sera toujours que c'est toi qui es responsable de ces mots. Eh bien, devant Dieu, il y a un problème. Moi, je ne vais pas rentrer à la maison et laisser un dossier. Qui chaque fois la personne dit, oui, c'est à cause de lui, même s'il est mort, mais il n'a pas arrangé le problème. Alors, tu vas apparaître où? Mais c'est ça que vous ne vous comprenez pas, frère et sœur. Non, tu as un dossier avec quelqu'un, n'aie même pas de dossier avec quelqu'un. S'il y a un problème, ah frère, viens, arrangeons, lavons la chose, qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi, je te pardonne-moi aussi, pardon. Frère, un fils de Dieu, il a toujours, vous savez, il y en a ceux-là pour que tu entends même le pardon de sa bouche. C'est comme s'il t'a donné le monde. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut être vraiment possédé par un démon. Pour te dire pardon, vraiment, pardon. Frère, j'ai dit, mais c'est la chose qui... Vous savez, l'amour marche avec le pardon. Amen. Un fils de Dieu, il pardonne rapidement parce qu'il ne veut pas garder les fardeaux dans le cœur parce que ça travaille, c'est un poids. Je vais m'en débarrasser. Oui, je t'ai pardonné. Même si tu n'avais pas demandé, j'ai été pardonné. Je ne vais pas marcher toute ma vie avec ton pardon, ton fardeau à toi. Non. Je me lave. Tranquille. Et puis écoutez bien. Donc, heureux donc, les miséricordieux, quand ils obtiennent leur miséricorde. Je vais vous montrer quelque chose. Pardonnez-moi un peu. J'ai dit toujours, je m'arrête, mais. Vous me pardonnez, vous. Amen. Supportez un tout petit peu. Et puis on va prier vite, on va partir. Hein, parce que je vois que ça commence. Regardez dans les livres, je crois que c'est dans les Saintes Écritures. Je pense probablement dans Éphésiens, quelque chose comme ça. Regardez bien. Je suppose que c'est cela. Juste là, Amandine. Si c'est cela, oui. Je ne sais plus si c'est cela, mais bon. Aïe, je ne sais plus très bien. Mais je crois que l'écriture. Alors, c'est dans cette écriture-là où il nous est bien dit, effectivement, comme les élus de Dieu, vous souvenez? Répétez-vous. Vous connaissez cela, non? Mais je ne me souviens plus. Colossiens, ah, que vous êtes vraiment, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de quoi? De bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Maintenant, si l'un se plaint de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Réciproquement. Regardez très bien, le pardon. Les entrailles de miséricorde. Est-ce que Dieu attend de toi et de moi? Je termine par là, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Fais-moi ce que tu fais de moi ce que...